Bienvenue. Gratitude de vous retrouver. Session privée de clairvoyance tous les samedis à 15h en ce moment. Lecture de l'inconscient, exploration de la psyché et résolution de tous les blocages. Alors, bienvenue. Nous sommes avec Claudine. Coucou. Coucou, ah mais ça marche bien ton micro. Gratitude. Gratitude. Alors j'espère que tout le monde va bien. Comment tu te sens? C'est houleux. C'est marin, il y a des vagues. Ok, alors est-ce que tu es allongé, les yeux fermés, confortablement installé? Ok, bon, on va commencer. C'est la première émission du week-end. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, on va tout simplement s'allonger, fermer les yeux, voilà pour chacun. Et on va partir dans un état modifié de conscience assez rapidement, car avec tout ce que nous faisons le dimanche, plus le yoga, eh bien, c'est assez facile maintenant pour la plupart d'entre nous. Tu fais les méditations du dimanche? Ah, t'as pas encore commencé? Alors, allongez les yeux fermés, tous ensemble, on va faire un home d'amour pour Claudine. 1, 2, 3. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, et ça relâche. Voilà, l'expiration, laissez tout se détendre, se relâcher. Ça s'abandonne. Une respiration et un âme dans les pieds. 1, 2, 3. Premier chakra au niveau du périnée. 1, 2, 3. Avec moi, mes jambes sont mes racines. Elles s'enfoncent dans la terre. Je me connecte à Gaïa, à mon corps physique. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est pardonne-moi. Merci. Je te pardonne tout. Une respiration. 1, 2, 3, et ça relâche. Voilà, donc gardez les yeux fermés tout au long de la session. Laissez tout. Ralentir.
tu te sens dans ton corps, dans le cœur par exemple, dans la poitrine? Non, ça c'est la tête qui ré... la tête qui répond. La question c'est pas si ça va, c'est comment tu te sens. Hors sujet. C'est chaud, c'est froid, c'est tendu, c'est en expansion, c'est en rétraction. Ok, ça a peur. Ah oui, ça a peur. Alors, une respiration. C'est comme le dentiste. Une respiration. 2, 3. Bah, il y a quand même une différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de roulette et que ça fait pas mal. Hein. Ah, tu vois? Une respiration. 1, 2, 3. Et ça relâche. Et là, c'est comment, par exemple, dans les pieds, dans les jambes, dans les pieds. Ok. Solide. Ok. Alors, et tu avais déjà fait une session avant, je crois. Non? Ah, d'accord. C'était bien? Ah, d'accord. Ça a aidé, alors. Ah, t'es habitué alors? Pourquoi ça a peur? Habitué. C'est la deuxième fois. Il y a un jeu qui a la trouille, c'est drôle. Ah non, mais je vois bien. Il y a un truc qui veut, il y a un truc qui veut pas. Mais c'est normal, le jeu il veut pas. Le moi, le jeu il veut pas. Et l'être il veut, en fait, c'est ça. Tu vois bien le mécanisme. Et, mais toi, tu as gagné, tu es la conscience, c'est toi qui décides. J'aurai ma session si j'ai envie avec Sébastien. Une respiration. 1, 2, 3, et ça relâche. Il y en a beaucoup comme toi, il y en a même qui viennent pas. Tellement ça marche bien le jeu. Le système de fuite, il est tellement efficace qu'ils veulent faire des sessions, mais ils n'y arrivent pas. Ah, c'est drôle. Oui. Annulé. Je t'aime. Gratitude pour ta force mentale et ta volonté de faire. C'est l'être qui a gagné encore une fois. Une respiration. 1, 2, 3, et ça relâche. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait? Pourquoi Claudine? Alors, à quel moment? Alors, donc je vais dire la question parce que c'est vrai que la voix passe pas sur YouTube en fait, c'est entre nous. Il y a ma voix seulement sur YouTube pour des raisons techniques. Pourquoi tout au long de ma vie j'ai été confronté à mensonges, manipulations? Voilà, hein, c'est ça? Perversion aussi. Alors, on fait une respiration. 1, 2, 3. Ça va la musique, c'est pas trop fort? Ça va. Ok. C'est pas la vraie question, mais je vais répondre quand même. Parce que ça, c'est une question sur le passé, c'est pas une question sur le maintenant. Hein. Alors, mais je vais quand même répondre parce que ça intéresse plein de personnes aussi. À une respiration. 1, 2, 3. Donc, pourquoi Claudine a été confrontée à des manipulations, perversions, mensonges tout au long de sa vie? Alors, la réponse est spirituelle. Hein. Je suis désolé. Alors, j'avais besoin de voir que.
Ma vie, entre guillemets, n'est pas ma vie. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, c'est vraiment pour tout le monde ta question, que ma vie n'est pas ma vie, mais que c'est la vie, qu'elle n'appartient pas au jeu, et que toutes les difficultés de cette vie, toutes les misères du monde, en fait, c'est les difficultés de l'humanité et les misères de l'humanité. J'ai l'impression, Claudine a l'impression que ça m'est arrivé à moi. Les mensonges, les manipulations, les perversions et plein d'autres choses. Mais en fait, pas du tout. C'est arrivé à nous, à notre humanité, et ça arrive encore aujourd'hui à des millions ou des centaines de millions de personnes, certainement même des milliards de personnes. J'avais besoin de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que avec l'éveil, la désidentification du jeu, avec l'entrée dans le réel, j'allais progressivement, grâce aux méditations que tu vas pouvoir commencer à faire dès demain, j'allais pouvoir voir que ça n'a rien à voir avec Claudine, mais que c'est l'état de conscience de l'humanité actuelle. Et j'avais besoin aussi de comprendre que en 2023, c'est bien mieux qu'en l'an 1000 et quand il y a 1500 ans, et que nous sommes dans un processus de conscience et qu'il y aura de moins en moins de mensonges, manipulations, perversions. Au fur et à mesure que l'humanité va s'éveiller, si l'humanité survit. Hein. Alors une respiration. 1, 2, 3. Pour beaucoup d'humains et pour beaucoup de familles, c'est normal de mentir, c'est normal de manipuler, c'est normal toutes les perversions et même les abus. C'est normal, entre guillemets, hein, pour eux, parce qu'il y a un faible niveau de conscience. Il y a même des familles où c'est normal de violer les enfants, je sais pas si tu te rends compte. Alors une inspiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que l'éveil spirituel, le chemin spirituel, le chemin d'éveil, c'était justement de sortir de la matrice, de tous ces systèmes, sortir de la personne pour sortir de la matrice, afin de d'être amour. D'être ce que je suis. Et plus j'allais aller vers l'amour, vers ce que je suis réellement, et moins il y aurait de mensonges, car je n'ai pas de raison de me mentir à moi-même, et moins il y aurait de perversions, car comme je m'aime, je ne peux pas me faire du mal, et moins il y aurait de manipulations, car je n'ai aucun intérêt à me manipuler. Ouah, ça pleure fort là, laisse pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec ça déjà? Ouais, tu sens ça pleure beaucoup là. Est-ce que tiens, dis avec moi, je m'autorise à pleurer. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit d'être triste. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. J'ai le droit d'être triste. Je m'autorise à vivre tristesse. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, maintenant, on va passer aux vraies questions. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas encore là? Alors, retrouver l'amour, comme si ça avait été perdu. Hein? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et quand est-ce que ça a été perdu, entre guillemets, l'amour? Quand est-ce que ça a eu lieu? Il y a combien de temps? Alors, 17 ans qui s'est arrêté il y a 6 ans. Ok. Comment ça s'est arrêté?
Ah, d'accord. La virée de bord, comme on pourrait dire. Une inspiration. Un, deux, trois. Oh. Ah oui, donc du coup, c'est relié, ça pleure à trahison, tu vois. À quelque part, trahison, manipulation. Et parce qu'en fait, il n'a pas réussi à me dire qu'en fait, il préférait les hommes, quoi. Et il n'a pas réussi à se le dire à lui-même aussi, en fait. Tu vois? Et il voulait pas me faire du mal. Ok. Ouais, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. On va traiter ça déjà un petit peu. Alors, j'avais besoin de voir que. L'identification au jeu, à la personne, pouvait contrer des envies profondes, en fait. Parce que la société n'autorisait pas, par exemple, là c'était le cas de l'homosexualité, sa famille n'autorisait pas, et du coup il ne s'autorisait pas, en fait. Il s'est menti à lui-même, il s'est fait croire, voilà, qu'il était hétéro, alors qu'il était bi. Ouh, ça pleure, une inspiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de lui pardonner. Comment tu te sens avec ça? Oui, lui pardonner. Le je n'a pas envie. Le je a mal. C'est important d'utiliser l'illéisme. Hein. Tu me connais depuis combien de temps? Un mois? Devant. Okay. Tu regardes Dialogue avec l'aide des fois, non? Oui? Le dimanche, à 20h. Ok. En fait, c'est important l'illéisme, c'est pour créer un espace entre toi. Toi, tu es la conscience, en fait, hein? Tu es l'être, tu es la présence, tu es le silence, tu es existence, en fait, tu es tout l'univers même, à un certain niveau. Et Claudine, tu vois? Et donc, dans le langage, ça s'incarne en parlant de Claudine à la troisième personne. Okay? Sinon, tu restes collé dans Claudine. Et puis tout ça, c'est arrivé à Claudine, et puis c'est Claudine qui est malheureuse. Tu vois? Alors que si tu t'entraînes, parce que c'est une technique en fait, à parler de Claudine à la troisième personne, ça a été validé par les psychologues américains il y a 2 ans, mais ça existe depuis 2000 ans. Hein. Jules César, il faisait déjà ça à l'époque. Hein. Et plein d'autres. Hein. Et c'est vrai, hein, c'est antique comme truc. Du coup, ah mais je ne suis pas la personne. Il est très très sage en fait, Jules César, quelque part. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Je ne suis pas Claudine, tu vois. Du coup, je ne vais pas prendre les choses personnellement. C'est arrivé à Claudine. Ok, c'est la vie de Claudine. C'est Claudine qui a mal. C'est Claudine qui a du mal à pardonner à son ex de ne pas avoir eu la force d'être authentique, d'être vrai, de ne pas avoir pu. Dans le nous, en parler, tu vois. Voilà, ça pleure. Une respiration laisse pleurer. Un, deux, trois. Mais qu'est-ce que Claudine lui reproche, en fait? De lui avoir menti, de pas lui avoir dit tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il ressentait, et finalement d'être faible, quelque part, tu vois. Mais est-ce que si je reproche à quelqu'un d'être faible, c'est pas un manque de compassion et d'amour pour lui, finalement. Ouah, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Ouh. Là, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Ce que tu fais, c'est chouette. C'est pour Sébastien aussi, hein. Alors, je continue la lecture. J'avais besoin de voir que beaucoup de gens, de personnes sont faibles et n'ont pas le courage d'affronter le réel. Ouais, ça pleure. Un, deux, trois. Oh, laissez pleurer. J'avais besoin de comprendre. Le réel est très souvent difficile à accepter, en fait. Surtout s'il était avec toi pendant, tu vois, si longtemps. Ça a été tout un parcours, en fait. Au début, il s'est menti à lui-même. Il a voulu faire plaisir. Et puis à un moment, une autre nature est apparue. Tu vois comment ça s'est passé?
Et ouais, vas-y. Ah, ok, tu étais déjà gay quand tu l'as rencontré. Okay. Enfin, donc du coup, il était bi, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, en fait, la perfection de cette histoire. Et j'avais besoin de comprendre si une histoire d'amour s'arrête, c'est uniquement pour qu'une autre après puisse commencer. Voilà, ça pleure. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre un truc très important là pour tout le groupe et pour toi. L'histoire, un homme, l'homme de ma vie, un homme pour toute la vie, est une construction religieuse qui n'est pas du tout basée sur la nature. Voilà, ça pleure. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que les us et coutumes ont, alors, pardon, excuse-moi pour le bruit. Les us et coutumes ont toujours évolué au cours des âges et des temps, et qu'elles ne sont pas du tout reliées au réel. Elles sont liées au contexte et à l'environnement sociétal, les croyances familiales, les croyances de la société, les croyances religieuses. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir la petite fille que j'avais été, a été programmée par les dessins animés, par Disney, puis par plein d'autres choses, et par les croyances religieuses des Américains, puisque Disney c'est américain, que j'avais été programmée à croire en fait que j'allais avoir un homme pour la vie, que ça allait être mon prince charmant. Ouah, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec ça? Tu sens que ça pleure, ouais. Voilà, laisse pleurer parce que plus tu vas laisser pleurer et plus tu vas prendre conscience que tout ça c'était des histoires en fait. Et c'est ton expérience hein, d'ailleurs. Et que en fait, à un moment, le réel nous rattrape toujours. Une respiration. 1, 2, 3. Comment c'est là dans le corps, dans l'émotion? Ouais. Tu peux tapoter sur le plexus avec ta main, voilà, pour enlever la tension, ou faire un massage circulaire justement avec les pouces, là où ça fait mal aussi, il y a deux possibilités. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que mon jeu a été choqué en fait. C'est comme si ça s'était fait un peu brutalement finalement, l'arrêt, non? Très brutalement, hein, c'est ça le choc là dans la poitrine. Comment ça s'est passé l'arrêt en fait? T'as découvert, donc il y a trahison, qu'il te mentait, qu'il allait voir des garçons. Et donc du coup, bah, ça crée un choc dans le cœur, quoi. Après des décès de la famille. Et donc du coup, t'étais affaibli et en fait perte de tous les repères. Okay? Mort de la mère, de la sœur, le chéri qui s'en va, tu vois. Donc c'est le monde qui s'est écroulé il y a 6 ans. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et c'est ce qui t'a amené vers la spiritualité finalement. Tu vois? Aussi, non? C'était déjà. Ouais. Et j'avais besoin de voir que tout ça s'était fait exprès. Voilà, ça pleure. Tu t'en doutais que c'était fait exprès. 1, 2, 3. Ah. Ben oui, en fait, c'est fait exprès. Et c'est pas que pour toi, hein. Toutes les emmerdes, tous les problèmes, tous les deuils, tous les trucs difficiles. À un moment, vous avez fait tellement de méditation, ça c'est les méditations du dimanche que je t'encourage à faire, que vous savez, au fond de vous, de toute façon, vous le savez, mais vous le voyez dans les méditations, que tout est fait exprès, que tout est conçu au millimètre, en fait. Hein.
et qu'il y a zéro hasard. Quelqu'un meurt, quelqu'un vous quitte, il y a telle emmerde. C'est tout fait exprès. Pourquoi? J'avais besoin de voir pourquoi. Pour que je puisse vivre l'expérience, en fait. Tu vois? Pourquoi j'ai besoin de vivre ce genre d'expérience, entre guillemets, à la noix, pour être poli? Le jeudi, mais pourquoi? Mais je ne veux pas vivre ces bêtises-là, pour être poli. Oh, il est poli aujourd'hui. Je ne veux pas vivre ça. J'ai autre chose à. C'est triste, ça fait mal. Pourquoi je me ferais du mal, en fait, si je m'aime? Ah, ça, c'est la question. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir qu'il y a des niveaux supérieurs. J'avais un bénéfice secondaire à tout ça. Et oui, j'allais vivre des émotions. Waouh, ça pleure. 1, 2, 3. En vivant l'émotion de la trahison, le choc que la personne avec qui je vis depuis 17 ans n'est pas ce que je croyais, j'allais vivre un séisme intérieur en voyant que les gens pouvaient mourir, les gens que j'aime. J'allais de nouveau vivre des séismes intérieurs. J'étais donc comme dans une machine à laver. Et tout ça allait stretcher, dissoudre le jeu finalement. Ouah, ça pleure, espérer. 1, 2, 3. La vie m'apprenait à disparaître en tant que je, finalement. J'avais besoin de voir que chaque épreuve allait dissoudre les croyances du je, les croyances que mon chéri est comme je crois qu'il est, alors qu'il est différent à l'intérieur, la croyance que je peux baser ma propre sécurité sur l'extérieur, que ce soit un chéri, ma maman, mon papa ou ma sœur, mon frère. J'avais besoin de voir que ma sécurité, entre guillemets, ma stabilité ne pouvait que venir de l'intérieur et pas de l'extérieur, pas des autres qui changeaient tout le temps et des fois qui pouvaient même disparaître, en fait, la preuve. Ouah, ça pleure. 1, 2, 3. Tout allait m'amener à aller chercher à l'intérieur, dans ce que je suis. Amour était à l'intérieur de moi. Stabilité était à l'intérieur de moi. Joie était à l'intérieur de moi. Intelligence était à l'intérieur de moi. Sensibilité était à l'intérieur de moi. En vérité, tout était à l'intérieur de moi, sauf les autres. Ouh, ça pleure. 1, 2, 3. Alors, quand je dis cette phrase, tout était à l'intérieur de moi, sauf les autres, c'est du point de vue du je, parce que du point de vue de l'être, tout est à l'intérieur de moi, y compris les autres. Hein. Voilà. Comment tu te sens? C'est fort, hein? Tu commences fort le week-end, toi. Ouais, ça tremble là, ici. Le troisième œil, il n'arrête pas de bouger beaucoup. Une respiration. 1, 2, 3. La vraie question, qui est une question spirituelle, c'est très spirituel quand je suis chez toi, en fait. Hein. Ça revient sans cesse, le spirituel, chez toi. C'est pas toujours le cas, hein. Parce que j'essaye d'être très concret quand même, mais ça revient toujours. Ah oui, t'as suivi à mettre tes bêtas hors normes. C'était qui? Comment il s'appelait? Tara Tulku Rinpoche, ok. Tulku, c'est une réincarnation. Et Tara, donc, c'est une incarnation de la Tara. Tara blanche, peut-être. Waouh, ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Ouais, laisse pleurer, ouais, ça, c'est très émotionnel. C'est très émouvant. Une respiration. 1, 2, 3.
Voilà, laisse tout pleurer, c'est une libération hein, que nous faisons dans cette session. Alors, je continue la lecture. En fait, je canalise ce que l'être a besoin de se dire à travers toi, parce que l'être, c'est toi. Hein. Et alors, j'avais besoin de comprendre que dans cette vie, j'avais été testé, en fait, sur ce que j'avais intégré de toutes mes autres vies. J'avais plein de vies bouddhistes, tibétains, en Inde, partout, et j'avais compris plein de choses dans toutes les autres vies, grâce à mes méditations, grâce à mon travail d'éveil et mon travail spirituel. J'avais besoin de voir que ce n'est pas par hasard si j'ai suivi 15 ans un maître bouddhiste tibétain qui me connaissait depuis d'autres vies, c'est évident, il a dû te le dire d'ailleurs. Ouais, ça pleure. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que mon mari, avec qui j'avais été 17 ans, lui aussi, je l'avais rencontré dans d'autres vies et que nous avons. Ouais. Et voilà, tu as eu l'éveil de Kundalini. Voilà. Et voilà, donc lui, il a été très tiraillé par tout ça aussi. Ouh, ça pleure. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que cette vie est la continuité en fait de mes autres vies avec lui, avec le maître tibétain, et que j'avais besoin vraiment de sortir de Claudine, de prendre du recul, de voir que Claudine, c'est l'histoire en fait. Claudine égale l'histoire de Claudine, tu vois. Mais que si je monte en vibration, je fais les méditations, puisque tu as tes propres techniques, hein, j'imagine, aussi. Je sors de toute cette histoire, je vais dans le cœur, je vais dans ma compassion, dans l'amour que je suis. Dis avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes celles et ceux qui ont fait du mal à Claudine. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je pardonne à la vie. Je pardonne à mon ex-mari. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir que il avait fait ce qu'il a pu et que si j'avais été lui, j'aurais fait comme lui, parce qu'en fait, j'étais lui. Au niveau de la conscience, tu vois, c'est la même conscience qui s'est incarnée dans Claudine et dans ton mari, entre guillemets. Tu vois? Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a la compassion, c'est que dans son cas, j'aurais fait comme lui parce que ben, je suis lui, en fait. Tu vois? Et c'est là où le cœur va se guérir et tu vas pouvoir pardonner. Parce qu'en fait, c'est sa faiblesse finalement qui est en cause. Tu vois? S'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement, mais il n'était pas assez fort en fait. Tu vois? Pour être vrai, pour être réel, pour dire ma chérie, j'ai besoin d'être avec un garçon et une fille, admettons, il aurait pu imaginer tout un tas d'autres solutions, tu vois? Plutôt que de cacher. Tu vois? Tu sens? Comment tu te sens avec ça? Ouais, c'est dur. Ouais. Laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Ouais, dis-moi.
Alors, la question, c'est de voir c'est douloureux pour qui, en fait. C'est là l'étape actuellement où tu es, c'est de voir c'est douloureux pour qui, en fait, d'après toi. Qui ne veut pas lâcher en toi, quelle partie de toi a mal, en fait, et quelle partie de toi est en train de se dissoudre, c'est pour ça qu'elle a mal. Quelle partie de toi est forcée, hein, par la vie, de faire face au réel, et donc de sortir de l'illusion, tu vois, du lien sacré, du mariage sacré spirituel, de tout ça, tu vois. C'est cette partie-là qui souffre. Mais si tu vas au niveau de la conscience, tu vois que c'est une construction, en fait. Ce n'était pas vrai. Tu comprends? T'es obligé de voir que c'était pas vrai en fait, que c'était une construction des identités, tu vois, qui se sont construits un lien sacré par rapport aux connaissances spirituelles qu'ils avaient, mais que en fait il y a un truc au-dessus qui dit il faut se libérer de tout. Voilà, il faut entre guillemets, mais c'est là le sens de la vie finalement pour chacun d'entre nous, hein. C'est tiens, de quoi je vais me libérer maintenant, quoi. Et même du lien sacré du mariage, voilà, ça en fait partie, en fait. Parce que plus je vais aller dans l'être, et plus je vais être libre, en fait. Libre de changer d'avis, libre de refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, libre de retenter une nouvelle expérience différente. Tu vois? Parce que le thème, c'était j'aimerais retrouver l'amour. Mais j'avais besoin de voir que l'amour a toujours été en moi. Je n'ai jamais perdu amour, en fait. Voilà, ça pleure là. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir que je peux aussi continuer à aimer celles et ceux qui sont plus là. Celles et ceux qui sont disparus, qui sont décédés. Et même mon ex-mari. Rien m'empêche de l'aimer à distance et de le laisser faire sa vie, en fait. Tu vois? C'est uniquement le jeu, l'identité qui n'est pas contente parce qu'elle voulait se l'approprier. Elle voulait que ce soit son chéri à elle toute seule. Elle voulait pas le partager en fait. Tu vois ou pas? C'est cette partie-là en fait qui souffre. C'est la partie qui croyait que c'est mon chéri à moi, me. Mais en fait, c'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Et si nous allons plus loin à l'intérieur, pourquoi j'avais absolument besoin d'un me à moi, mon chéri? Parce qu'il y a une insécurité. Ouais, ça pleure, une respiration. 1, 2, 3. Claudine a été construite dans l'enfance à partir d'une insécurité. Alors, je vais faire la lecture. Comment tu te sens là? On avance bien, hein? Je comprends pourquoi t'es revenu. T'es très réactif au traitement. Et puis ça va, c'est pas trop dur. Ça fait moins mal que chez le dentiste quand même. T'en as fait pire. Je t'aime. Un gros câlin. Mais j'espère que tu vas venir en Dordogne, que je te ferai des câlins. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Regarde dans le cœur comment c'est joyeux, c'est ouvert, c'est. Je vais pouvoir me faire plein d'amis dans les stages, partout, dans les. Un de perdu, 10 de retrouvé. T'imagines si t'en perds 10, ça en fait 100, hein, quand même. Non, mais c'est vrai en plus. Bah, un de perdu, 10 de retrouvé, si t'en perds 10, t'en as 100. Hein. Après, qu'est-ce que tu vas en faire, quoi? Ça demande un peu d'organisation, tout ça. Ça va être l'abondance de chéri. Si j'arrive à lâcher le passé, à comprendre que tout ça finalement c'est un mal pour un bien, et oui, et que bah, ça fait partie de la vie, qui n'est pas ma vie en plus, qui est la vie, tu vois. Alors je vais pouvoir aller de l'avant, refaire ma vie et être heureuse, tu vois. C'est ça que je t'amène dans cet endroit-là en fait, hein, tu vois. Et pas que moi, hein, c'est la vie, hein, quand je dis moi, c'est entre guillemets.
C'est là où nous t'amenons, en fait, voilà. Nous t'amenons vers un endroit où, ah, mais on va tout refaire, on va tout reconstruire. Et oui, ça va de nouveau s'arrêter, je le sais, mais j'y vais quand même. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, c'est la maturité, tu comprends? C'est-à-dire que j'avais besoin d'accepter dès le départ que chaque histoire d'amour a un début et une fin. Et que j'ai quand même envie de vivre le milieu. Le début aussi. Tu comprends? C'est un ensemble, en fait. C'est-à-dire que, à cause de la religion, et puis de la matrice, et de l'insécurité, la plupart des êtres humains voudraient que ça s'arrête jamais. Et si c'était pas conçu comme ça? Si vous commencez à avoir un peu de vécu, vous allez voir que c'est pas vraiment conçu comme ça, pour ne jamais s'arrêter. C'est conçu comme tout ce qui est vivant d'ailleurs. Ça a un début, une fin et un milieu en fait. Mais si j'arrive à l'intégrer, à le comprendre dès le départ, je vais vivre le début parce que le début ne va être vécu qu'une seule fois en fait, hein, avec telle personne. Et puis je vais vivre le milieu parce que ça va être bien. Le milieu va peut-être durer 20 ans, on ne sait pas. Ou peut-être un 6 mois, personne ne peut savoir. Ou peut-être 2 semaines. Tu vois? Et puis après, bah, il y aura la fin à vivre. Mais si je l'intègre dès le début, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais je vais accepter le processus. Je vais vivre pleinement le début. Je vais vivre pleinement le milieu. Et puis, bah, j'accepterai que, ah, bah tiens, il faut vivre la fin. Voilà, ça pleure. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui fait que la fin arrive plus vite? Mais parce que je ne veux pas la vivre, justement. Comme je ne veux pas vivre la fin, je ne vis pas pleinement le milieu, et puis j'ai peur du début que je ne vis pas pleinement non plus, quoi. Tu vois? C'est exactement le même problème qu'avec la mort. J'ai peur de la mort. Ok, admettons. Le jeu, il dit j'ai peur de la mort. L'identité a peur de la mort. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vivre à moitié. Je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas oser être la vie. Je ne vais pas oser être amour. Je ne vais pas oser me dissoudre. Je ne vais pas oser mourir, en fait, dans l'amour. Tu vois? Puisque l'amour, c'est la dissolution de l'identité, en fait. Hein. Tu vois comment ça marche? Parce que j'ai peur de mourir, je vais vivre à moitié, voire presque pas. Parce que j'ai peur de mourir dans la vie. Okay? Mais c'est pareil en amour. Parce que j'ai peur que l'amour s'arrête, je ne vais même pas entamer une relation amoureuse. Parce que je sais que je vais souffrir. Voilà, ça part bien. Bien, c'est ta fête aujourd'hui. Une respiration. 1, 2, 3. C'est la Sainte-Claudine. Mais c'est-à-dire que Sébastien, il est de plus en plus fort sur le domaine, puisque c'est son domaine, hein, les relations amoureuses et l'amour. Et d'ailleurs, il y aura bientôt, je vous en reparlerai tout au long du week-end, il y aura bientôt un webinaire gratuit là-dessus, vendredi prochain à 20 h. Ouais. Vendredi 28 à 20 h, il y a un webinaire gratuit sur l'amour. Il y en aura tous les vendredis d'ailleurs à 20 h. Ouais, c'est nouveau. Donc c'est vraiment en plein sur le sujet. Tu es en plein sur le sujet, tu commences le week-end. Si, il est 8 h 30 du matin hein, en Colombie. Tu commences vraiment aligné avec le sujet de. Voilà. Parce que l'amour, c'est le problème le plus difficile pour tout le monde. Sébastien l'a remarqué. Et puis il n'y a personne qui vous aide là-dessus, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs hein, en spiritualité, mais alors l'amour, il n'y a presque rien, quoi. C'est pas, y a pas bah parce que pour vivre, pour faire des webinaires, des formations sur l'amour, il faut une expérience de l'amour. Ça tombe bien, Sébastien en a une grande. Et puis l'être aussi, il en a une grande l'être, il en a une très grande. Hein. C'est l'être hein, l'expert de l'amour. C'est pas ça, en fait, hein, c'est l'être. Alors une inspiration. 1, 2, 3. Donc tu vois le mécanisme. J'ai peur de mourir, donc je vis pas. Tu vois, c'est complètement idiot en fait, quelque part. Parce que j'ai peur de souffrir. Et si j'acceptais la vie telle qu'elle est, que quand j'entame une relation d'amour, bah, il y a le germe de sa fin à l'intérieur. Pourquoi? Mais parce qu'elle a commencé. Et tout ce qui commence se termine. C'est con, mais c'est comme ça. Même le soleil, à un moment, il va s'arrêter. Même la galaxie. Pourtant, la galaxie, ça va mettre des milliards d'années. Hein. Mais quand même, tu comprends? C'est tout comme ça, en fait. Le seul truc qui n'a ni début ni fin, c'est vous, c'est la conscience.
C'est tout ce que nous partageons depuis des années maintenant sur les méditations. C'est quand je vous dis, nous sommes la conscience n'a ni début ni fin. Nous sommes la présence, elle n'a ni début ni fin. Nous sommes l'amour qui n'a ni début ni fin, en vérité, dans le cœur. Hein, c'est l'expérience humaine qui a un début, une fin, mais l'amour n'a ni début ni fin. L'éternité n'a ni début ni fin. L'absolu n'a ni début ni fin. Tout ce qui n'est pas né ne peut pas mourir. Tu comprends? Et c'est là où il y a le paradoxe, parce que l'amour en vérité n'est pas né et ne peut pas mourir. Donc ça, c'est au niveau de l'absolu, dans ce que nous sommes tous. Mais quand nous vivons l'histoire d'amour au niveau de l'humain, eh ben là, il y a un début et il y a une fin. Et ça crée ce paradoxe et cette dynamique aussi, tu vois? Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, je continue la lecture. Et plus j'allais accepter la vie telle qu'elle est, incluant le début et la fin de toute chose, de toute expérience humaine en fait, et plus j'allais entrer dans le réel, la réalité, alors oui, le je va souffrir, l'identité va souffrir, oui, je vais vivre des émotions difficiles, oui, ça va être terrible de vivre les tromperies, l'abandon. La trahison, hein, chez toi, c'est la trahison. Oui, je vais vivre tout ça. Mais j'en ai besoin quelque part au niveau de l'être, au niveau supérieur. Si je le vis, c'est parce que j'ai besoin de le vivre. Tu comprends? J'ai besoin, à un moment, que la spiritualité s'incarne dans le réel. Tu vois? J'ai plein de vies de moines bouddhistes tibétains où je connais des maîtres, etc. Ouais, ok. Mais comment je l'utilise dans ma vie quotidienne? Tu vois? C'est ça la vraie question. Il ne s'agit pas de, tu vois, de faire des pratiques bouddhistes et puis dans la vie quotidienne de ne pas pouvoir s'en servir. Tu vois, la spiritualité, ça sert à accueillir le réel quand le réel arrive et que le réel ne vous plaît pas. Quand tout va bien, vous n'avez pas besoin de la spiritualité. Vous débrouillez très bien. Tu vois, je suis avec mon amoureux, ça se passe bien, il n'y a aucun problème. C'est seulement quand ça va mal, il y a des gens qui meurent. Il y a des chéris qui s'en vont. Là, j'ai besoin de la spiritualité. Par contre, là où beaucoup d'entre nous sont intelligents, c'est quand ça va bien que je fais les méditations. J'attends pas d'être dans une situation difficile. Parce que c'est trop tard. Quand je suis dans une situation difficile, je ne peux que subir. Et j'ai pas le temps d'apprendre à prendre du recul. Tu vois? C'est là où c'est malin de faire les méditations avant d'avoir de trop grandes difficultés. Tu comprends, tu vois? L'intérêt, hein? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça, là? Ça te parle comment? Ouais. C'est pas inconnu. Y a quand même la souffrance. Pourquoi? Il y en a eu. Alors. Le jeu, il voudrait comprendre plus pourquoi. Pourquoi les épreuves de la vie, alors, c'est ça ta question. Pourquoi Claudine a été, pourquoi les épreuves de la vie? Pourquoi Claudine a été mis tant à l'épreuve, en fait? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Attends, je vais répondre. Alors, derrière, pourquoi Claudine a été autant mise à l'épreuve? Il y a la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi je m'identifie à Claudine. C'est ça la vraie question. Parce que c'est pas Claudine qui a été mise à l'épreuve. Claudine, elle a vécu une vie normale, entre guillemets, comme tous les autres êtres humains. La plupart des êtres humains se font trahir, manipuler, abuser. C'est classique dans notre société
inconscient, t'es malade, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, la vraie question, c'est pas pourquoi, quel est le sens de tout ça pour Claudine? La vraie question, c'est pourquoi je m'obstine à m'identifier à Claudine? C'est ça la vraie question. Vraiment, hein? Parce que si je me pose pas la bonne question, je vais avoir les mauvaises réponses pardon, je vais avoir des bonnes réponses aux mauvaises questions. Tu comprends? Et là, moi, mon job, mon métier, c'est de te donner les bonnes questions. Et en général, quand vous faites des sessions, vous arrivez jamais à avoir les vraies questions. Hein. C'est très rare. Parce que vous avez déjà les réponses en vous, en fait. Puisque vous êtes l'être, comme tout le monde. Hein. Sébastien, il est autant l'être que vous. Hein. Lui, il canalise, mais, parce qu'il est formé à ça. Mais en fait, au fond de vous, vous avez les mêmes réponses que Sébastien, il n'y a aucun problème, puisque c'est les réponses de l'être, ce n'est pas les réponses de Sébastien. Sébastien, il canalise. Mais la vraie question, c'est pourquoi, moi, la conscience, je m'obstine à croire que je suis Claudine? C'est ça la vraie question. Parce qu'une fois que tu as réglé ce problème-là, tu vois, oui, bah, Claudine a eu sa vie, mais je ne suis pas Claudine, je m'en fous, mais tu as tout réglé, et ça s'appelle l'éveil. C'est pour ça que tu t'es intéressé au bouddhisme tibétain. Parce que normalement, tu étais censé te désidentifier du jeu avec eux. Tu vois? Et là, il y a un truc qui ne veut pas se désidentifier du jeu. Alors, on va aller voir parce que c'est à cause de l'insécurité. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Donc, alors, j'avais besoin de voir. Claudine a été construite dans l'enfance avec une insécurité, de par la petite enfance. Hein. Je croyais que la vie était instable, changeante. Je ne me sentais pas en sécurité avec les parents. Ah là, ça pleure. Hein. Ouh, une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens là avec ça? L'insécurité avec les parents. Ouais. Ça fait pleurer, ouais. Ouais. Je me sentais en grande insécurité avec les parents. Ok. Et comment ça se fait, ça? Ils ont voulu te. Il y a eu des maltraitances? Ouais. Ah, ouais, ça pleure. Hein. Ouh, maltraitance, rien que le mot, tu vois. Ouais, vas-y. Ouais, maman voulait partir, elle était suicidaire. Okay. Ouais, ça pleure. Hein. On laisse pleurer. 1, 2, 3. Donc, j'avais. Fait un long chemin d'éveil pour libérer la partie suicidaire de maman qui s'était imprégnée en moi dans l'enfance. Okay. Et donc, en tant qu'enfant, avec une maman suicidaire et un papa ouais, plutôt absent, j'ai l'impression, ouais, ou pas vraiment qui donnait de l'amour, en tout cas, enfin, qui jouait pas le rôle de la solidité et de la sécurité, en tout cas, tu vois. Donc j'étais dans un univers incertain, instable. Voilà, ça revient de nouveau à l'instabilité. Hein. Et du coup, bah, Claudine s'est construite là-dessus. Donc dès qu'elle a trouvé son mari, enfin, ou son chéri, elle a tout reposé sur les épaules du chéri. Le chéri, c'était pas que le chéri, c'était la stabilité en fait. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Du coup. Comme le chéri, c'était devenu la stabilité, le jeu, Claudine avait résolu le problème de l'instabilité. Elle n'avait pas forcément besoin d'aller voir son instabilité, ou son insécurité intérieure, puisque le chéri était là pour s'en occuper. Tu comprends? Il résolvait un vide intérieur de sécurité. Tu vois comment ça marche? Et quand il est parti, bah, il y a tout patatras. Et ça a commencé avec les décès des parents. Tu vois? Puisque le peu de stabilité que j'avais dans la vie avec la famille, maman, la sœur, est partie, et ensuite le chéri. Tu vois, c'était en trois coups. Voilà. Et après, bah, le vide, en fait, avec la souffrance. Tu vois comment ça marche? C'est comme si j'étais tombé dans le vide, en fait, pour la personne. Donc ça s'appelle une initiation spirituelle pour moi, en fait. Hein. Alors évidemment, pour Claudine, c'est. Ça s'appelle une putain de vie à la con, mais pour moi, ça s'appelle une initiation spirituelle. Exactement. Parce que là, on parle de mon deuxième mari, mais il y a juste avant, c'est mon deuxième mari. Ouais, c'est le deuxième mari. Oui, Ouais. ça y est, Ouais. Et bien, à chaque fois, Claudine a voulu
donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, à chaque fois c'était le mari, et parce que c'était l'image dans le système patriarcal, le mari, enfin ou le chéri, c'est la stabilité. C'est l'homme, c'est lui-même qui décide, qui prend les décisions, c'est lui qui sait, tu vois, c'est ça que je ressens quand je suis chez toi. C'est le mari, c'est lui qui sait. Hein, c'est vraiment antique, quoi. Ça a 2000 ans d'histoire, ce truc. Même 4000 ans. Hein. J'avais besoin de voir que le système patriarcal, il est en train d'être mis à la poubelle. Parce que nous sommes en 2023 et que maintenant, tout le monde voit très bien que c'est totalement faux, en fait. Que c'est le mari qui doit être l'autorité, le patriarche, celui qui sait. Et puis le monde voit bien que c'est l'homme, il sait pas plus que la femme. Hein. Et qu'il est même moins solide en plus dans les faits, hein, en général. Hein. La femme est beaucoup plus solide que l'homme en plus, c'est le contraire. Et du coup, ça vole en éclats. Toute la matrice est en train de se dissoudre. Et avec l'éveil, les prises de conscience. Et si nous sortions du système patriarcal, et si en tant que femme, hein, t'as pas eu d'enfant ou t'as eu des enfants? J'ai 2 enfants. Deux enfants. Alors en tant que femme et en tant que maman, j'ai besoin de trouver en moi en fait la stabilité, tu vois? Et d'arrêter enfin de la chercher à l'extérieur. Tu vois le problème? C'est ça. Parce que sinon, ça va refaire avec le troisième que tu vas trouver, hein, ma chérie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, si tu veux. C'est un programme dans l'inconscient. Donc le troisième chéri que tu vas rencontrer, ça va être kiff-kiff bourrico. C'est pour ça que depuis 6 ans, il y a la trouille. Tu vois? Parce que tu le sais au fond de toi que il y a le programme qui va chercher un mec, ça va être ma sécurité, jusqu'à ce qu'il parte. Et reparti pour un tour. Tu vois? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Elle est vraiment chouette, ta session. Ça aide beaucoup de monde. Alors, et. Ouais, merci à toi. Alors, et puis, tu es en mode anonyme, en fait, sur Internet. Voilà. Parce que les raisons techniques font que la voix, c'est que sur Zoom. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de trouver ma sécurité à l'intérieur. Tu vois? Même si je rencontre un chéri, hein, ce qui est très bien d'avoir un chéri, c'est pas parce que j'ai un chéri que je dois lui donner mon autorité, en fait. C'est ça l'enjeu, hein, de ta vie, là, actuellement. J'ai besoin de comprendre. Si je vais dans l'être, je me désidentifie de la personne, je m'éveille, je réalise le soi, je suis ma propre autorité. Je suis en sécurité avec ce que je suis, puisque je suis l'univers, en fait. Je suis la vie, je suis la conscience, tu vois. C'est là la suite de l'histoire, ma chérie. Je te fais des gros bisous. Tu vois, c'est ça la suite. Le chemin, c'est ça. Hein? Le chemin d'éveil, c'est ça. Je réalise ce que je suis. Ça s'appelle réalisation du soi. Tu as dû en entendre parler, c'est l'état de Bouddha. Puis les bouddhistes tibétains, ils connaissent un peu Bouddha quand même. Et c'est ce qui s'appelle Anatman dans. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Anatman. Anatman, c'est la réalisation du non-soi. Alors avant la réalisation du non-soi, il y a la réalisation du soi. Donc la réalisation du soi, c'est je suis l'univers, je suis la conscience. Et après, il y a Bouddha qui dit, il n'y a pas de soi. Il est marrant. T'es familière avec tout ça ou pas? Non? Ça te parle? Je ne sais pas si ils t'en ont parlé, les bouddhistes, du non-soi, normalement, un peu, surtout au bout de 15 ans, non? Hein? Ton maître, il a dû t'en parler. Donc, le non-soi, c'est qu'il n'y a pas de soi. C'est Bouddha qui a inventé ça, entre guillemets, enfin, qui a été le premier à le diffuser à la grande échelle. Le non-soi. Ah, mais il n'y a pas de soi. Non, ben, il n'y a pas Claudine, il n'y a pas Sébastien. Il y a la vie, il y a nous, il y a la conscience, il y a existence, il y a l'amour, il y a plein de trucs. Mais en fait, le soi est une illusion. Quand Bouddha, il a dit ça a été une révolution. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, sur les 1 milliard de bouddhistes, il n'y en a même pas 3% qui comprennent. Hein. À mon avis. Hein. C'est l'impression que j'ai. Hein. Et parce qu'ils essayent déjà d'expliquer la réalisation du soi aux bouddhistes. Déjà, faut faire les méditations, tout ça, il y a du boulot quand même. Mais c'est bien hein, quand même. C'est quand même chouette. C'est mieux que rien. Hein. Mais voilà, il y a tout un chemin. Tu vois. Et si je suis sur ce chemin, voilà, c'est pas par hasard. Hein.
Et là, dans cette vie, si je réalise qu'il n'y a pas de soi, et que Claudine est une construction, mais qu'en fait, elle n'existe pas en vrai, alors, ah, mais ça va être. Je vais me tranquilliser. Voilà, ça pleure. Je vais être bien avec ce que je suis, entre guillemets. Et ce que je suis, c'est pas forcément un soi, d'ailleurs. Avec existence, avec la vie, tu vois, progressivement, je me désidentifie de toute forme d'identité. Je vais vers ce que c'est. Alors, il y a des étapes, oui. Au début, ce que je suis. Mais je ne suis pas Claudine. Ça, t'as dû en entendre parler. Et puis après, ah, il n'y a plus besoin de je, tu vois. Donc, en fait, je fais la suite de tes 15 ans de bouddhisme. C'est marrant. C'est la suite du film, quoi. Mais oui, le bouddhisme, il a déjà dit des idées de, ah oui, le Bouddha, être le soi. Et puis après, hop, il y a la suite, quoi. Mais c'est bien, c'est chouette, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais découvrir que je ne suis pas en insécurité quand je suis sorti du jeu de Claudine. Il n'y a plus personne qui est en insécurité parce que je suis l'univers, je suis la vie. Ce qui ne va pas empêcher de vivre plein de chéris qui vont partir, qui vont pas être dans le réel, qui vont être, comment dire, faibles. Mais ça sera, il n'y aura plus Claudine qui va dire, ah, il m'a trahi. Non, il y aura l'être rempli de compassion qui va dire, ah, mais il était faible, il n'a pas pu se désidentifier de la personne, il n'a pas pu être pleinement, il n'a pas pu être authentique et vrai, quoi. Hein? Puisque c'est ça l'enjeu, c'est de rencontrer un chéri qui est authentique et vrai. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais qu'au minimum, il dit ce qu'il ressent et la vérité. Et s'il a envie d'aller voir ailleurs, bah, il le dit, c'est pas un problème. Normalement, quand il y a un nous, tu vois. S'il y a un vrai nous, mais il n'y a pas eu de vrai nous au début, peut-être qu'au début et qu'après il est parti, mais s'il y a un vrai nous, eh bah, dans le nous dit, se dit tout, puisqu'il n'y a plus, y a plus de je, normalement, dans le vrai couple. Dans le vrai amour, il n'y a plus de je. Il n'y a qu'un nous. Et le nous, il est capable de dire, ah ben j'ai envie de tester quelqu'un d'autre. Et puis ça s'aménage tout ça maintenant. On est en 2023, il y a le polyamour, il y a des relations libres, enfin il y a plein de trucs possibles maintenant. On n'est plus il y a 2000 ans, quoi. Et c'est ça tu vois, la trahison, c'est parce que voilà, il n'était pas capable d'en parler, d'être vrai, quoi. Il n'était pas capable d'aller dans l'être. Il était dans son jeu. Et le jeu était faible. Et le jeu avait peur de tes réactions. Pour ça qu'il cachait. Mais du coup, ça lui a créé une énorme culpabilité à lui, hein, dans son jeu. Tu vois? Tu vois? Donc lui, après, il a tout un travail à faire de déculpabilisation. Tu vois? Oh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Du coup, tu vois comment c'est parfait cette histoire. Lui, il est obligé de sortir de son jeu pour déculpabiliser. Pour avoir de la compassion envers lui-même, et puis toi, tu es obligé d'aller vers le pardon pour continuer à vivre. Tu comprends comment c'est parfait du point de vue de l'être, tout ça? Évidemment, les jeux, ils sont pas d'accord, ils disent ouais, il m'a trahi, ouais, je culpabilise. Ben oui, mais c'est les jeux, ben sortez des jeux, sortez des moi, sortez des égos, allez dans le cœur, dans la compassion, dans l'être, dans le réel, j'appellerais ça. Mais du point de vue de l'être, c'est tout parfait, en fait. Et si tu fais les méditations du dimanche, là, c'est gratuit tous les dimanches, viens demain, 15h. Je ne sais plus si c'est 15h ou 15h30, d'ailleurs. Mais je crois que c'est 15h30, je ne sais plus. Et waouh, tu vas sortir de tout ça, de la matrice et des identités, et tu vas aller dans l'amour que tu es. Ce qui ne t'empêchera pas de trouver des chéris, mais chéris. Tu te reposeras pas sur le chéri comme avant. Tu comprends? Tu vois, c'est ça l'enjeu de la session aujourd'hui, c'est comprendre que un chéri, c'est pas fait pour se reposer dessus. C'est fait pour co-créer, c'est fait pour célébrer la vie, c'est fait pour célébrer les corps physiques aussi, c'est fait pour honorer les corps physiques, la vie, l'amour que nous sommes. C'est fait pour plein de trucs. Alors c'est bien s'il y a du soutien dans le couple. Il faut, mais c'est pas le truc principal, en tout cas pour toi. C'est important que tu ne te reposes pas sur le chéri et que tu lui donnes pas ton autorité. Tu vois? C'est ça l'idée, en fait. Ça change tout, non? Tu vois?
Tu vois? Du coup, le prochain chéri, tu vas garder ça en ligne de mire si tu peux regarder notre session 21 jours au moins, enfin longtemps, pour voir que, ok, je peux avoir un chéri, mais j'accepte dès le départ que ça s'arrête quand ça s'arrête. Et qu'est-ce qui va se passer si j'accepte que ça s'arrête quand ça s'arrête? Mais je vais être authentique. Là, je parle de toi, ma chérie. Je vais tout lui dire. Et s'il n'est pas content, il s'en ira. Et ça sera très bien. Tu comprends? Plutôt que d'être dans une histoire où, ah, mais je vais mettre de l'eau dans mon vin, tellement d'eau dans mon vin qu'il n'y aura plus de vin, et que ça sera fadasse, et que je pourrais même pas être moi. Tu comprends? Jésus, il a jamais mis de l'eau dans son vin, il a transformé l'eau en vin, c'est pas pareil. Tu vois? Mais oui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'avais besoin d'apprendre à être authentique, même si ça plaît pas à l'autre. Voilà, ça pleure un peu aussi. Une inspiration. 1, 2, 3. Hein, ça te parle ça ou pas, ce que je te dis? Quand même, ouais. Tu vois? C'est tout un système, tu vois. J'ai peur que mon chéri me quitte, alors je ne suis pas authentique. Et lui, il est obligé de faire pareil. Alors évidemment, je peux rien faire sur le chéri se démerde, mais je peux faire sur moi quand même. Non? Tu comprends? Si moi je suis authentique dès le départ avec mon futur chéri, et que j'appelle un chat, et que je dis tout ce qui ne me plaît pas dès le départ, mais il y en a plein qui vont partir dès le départ. Et j'ai pas besoin d'attendre 17 ans, quoi. Tu comprends? Tu vois l'intérêt quand même de cette stratégie d'être vrai et authentique dès le départ? Si je suis vrai, je vais forcer l'autre à être vrai. Tu comprends? Si je laisse passer des choses et que je suis fausse ou faux, bah, l'autre va faire pareil. Tu vois? Mais du coup, à quel moment nous sommes dans le réel, là, tous les deux? Tu vois? À quel moment nous parlons de ce qui va pas, de ce qui est pas top? Tu vois? C'est ça l'idée, hein? Alors évidemment, ça va faire de vous des gens extrêmement exigeants. Exigeante, hein. Ça, je vous l'accorde. Mais vous serez dans le vrai. Alors, est-ce qu'il faut être exigeant et être dans le vrai, ou est-ce que il faut laisser tout passer et être dans le faux, d'après vous? C'est vous qui voyez, hein? Tu comprends? Je vous dis tout ça vraiment au hasard. Sacré hasard, hein? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, l'équation, c'est ça. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que j'ose dire tout ce que je suis au risque de déplaire? Ou est-ce que je joue un rôle? Et c'est là que ça va se jouer. Tu comprends? Mais au bout de 17 ans, de rôle en rôle, à un moment, bah, il n'y a plus rien de vrai. Ou en tout cas, il y a des gros trucs qui auraient dû être vus dès le départ, tu vois. Tu comprends? Mais c'est pas grave. Et là, toute l'expérience de vie de Claudine, ben c'est ce que tu as appris. Et c'est pour ça que ça a eu lieu et que ça devait avoir lieu et que c'était chouette, en fait. Tu vois? En fait, la session, c'est comme pour te donner un éclairage sur pourquoi, puisque c'était ce que tu voulais. Hein. Pourquoi? Et du coup, maintenant, tu sais dans les détails pourquoi. Non? Tu trouves pas? C'est super clair, non? Je sais pas. Est-ce que tu as encore. Alors là, on a dépassé le temps. On va faire la petite pause. Mais comment. Est-ce que tu as eu la réponse à tes questions? Sur le pourquoi? Laissez dire. Ouais, ok. Ouais. C'est posé, c'est plus du tout où le. Ouais. Bah c'est normal, t'as pas arrêté de pleurer pendant 1 heure. C'est normal. Ça a libéré, hein. T'as fait un énorme boulot là en 1 heure. C'était intense. Oh, je t'aime, je te fais des gros bisous. Des gros câlins. Il y a beaucoup de tendresse et de. C'est vraiment un chemin de compassion, hein. C'est chouette. Donc, je t'encourage à venir tous les dimanches à la méditation du dimanche, ok? Et puis, bah, si cet été, tu peux venir en stage aussi, ça peut être chouette, quoi. Et alors, il y aura les webinaires gratuits tous les vendredis à 20h. Je commence à les annoncer. Donc là, c'est gratuit, bah, avec Zoom à 20h.
tous les vendredis, à partir de vendredi prochain, le 28. Et là, je vais vous donner les liens et tout. Je mets les liens en commentaire sur Zoom pour vous inscrire. C'est des webinaires sur l'amour, justement. Bah, toi, tu es en plein dans le sujet. Et voilà. Oh, gros bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, comme c'était intense à réécouter plein de fois hein, cette session, okay. Elle est mise sur YouTube, il n'y a pas ta voix. Non, sur YouTube. Sur YouTube. Parce qu'en fait, il n'y a pas. Pour des raisons techniques et puis aussi de confidentialité, finalement. C'est, n'y a pas la voix de ceux qui passent sur YouTube, c'est que sur Zoom. Voilà. Bon, bah, à bientôt, ma chérie. Je t'aime, je t'aime. Gratitude. Merci pour cette deuxième session. T'as vu, c'est encore plus fort que la première, j'ai l'impression. C'est parce que tu es habitué. Tu vois bien que ça fait pas mal, c'est pas comme chez le dentiste. Le truc. Claudine, elle avait un peu peur, mais non, il n'y a pas. C'est plein d'amour. À bientôt. Bisous. Je t'aime, je t'aime. Gros bisous. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. On a le temps de faire 4 minutes de pause avant la personne suivante. C'est la fête. Pour une fois, il y a une pause. C'est rare. Hein? Et je vais transmettre le lien pour le webinaire gratuit sur l'amour. C'est tout nouveau. Et on se retrouve après la petite pause. Donc ça va être en commentaire hein, le lien gratuit, en commentaire sur Zoom et sur YouTube et sur Facebook. À tout de suite.
Alors, nous allons reprendre une respiration. 1, 2, 3. Voilà, le lien a été envoyé en commentaire sur Facebook, YouTube et Zoom. Vous pouvez vous inscrire pour le webinaire, en fait, de vendredi prochain, vendredi 28 à 20h. Voilà, un webinaire gratuit sur l'amour. Alors, la personne suivante, donc c'est Natalia par WhatsApp, donc en mode anonyme. Allô, coucou, bienvenue. Oui, gratitude, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? C'est chouette, ça fait plaisir. Ah oui, on s'est vu à Paris. C'était en septembre-octobre 2022. Et oui, il y avait eu un satsang à Paris, un unique satsang d'ailleurs. Il y en aura certainement d'autres quand Sébastien va revenir. Si vous lui demandez, il fera un satsang au Forum 104. Alors, on va faire. Ah ouais, ça serait bien un satsang ensemble au Forum 104. Alors, on va faire un. Il aime bien vous rencontrer. Parce qu'il y en a qui vont peut-être pas venir en stage, alors au moins ils pourraient venir au Forum 104 s'ils sont pas loin. Allez, un home d'amour. Et une respiration. 1, 2, 3. Abandon. Voilà, et ça relâche. Voilà, comment tu te sens dans ton corps? La gorge, les poumons irrités, ok. Est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Ok. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait? Pourquoi Natalia? Ouah, c'est reposé ici. Relaxé. Alors, pourquoi Natalia ne trouve pas son chemin professionnel? Hein, c'est ça? Ok. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, laissez tout se relâcher. Nous sommes dans un état modifié de conscience, tout le groupe. Et donc, ça bâille, ça. Quasi, ça s'endort. C'est ok, c'est parce que. Bah, c'est dans cet état modifié de conscience qu'il est possible de lire l'inconscient en sortant de la personne. Voilà. Et si, en plus, vous êtes sur Zoom, alors c'est vrai que je n'ai pas donné le lien Zoom, je vais quand même donner le lien Zoom. Vous avez la musique. Alors, attends, et c'est vrai que si je ne donne pas le lien Zoom, vous ne pouvez pas venir non plus. Hein. Je vais de nouveau mettre un lien, voilà, pour ceux et celles qui sont sur. Comme ça, vous pourrez venir sur Zoom et vous aurez la musique. Et vous aurez aussi le rappel tous les samedis, 15h. Voilà, je diffuse le lien. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors,
Caché derrière la question, hein, puisqu'en fait c'est un peu ça mon métier, c'est de vous donner les vraies questions. Donc en fait c'est pourquoi je m'ennuie au travail aussi, tu aurais pu me poser, hein, c'est ça? Oui, ça pleure un peu ça. Tu sens? Hein, ça pleure. Oui, mais dans la profession que je faisais, je m'ennuyais, c'était pas... En fait, ouais, ça pleure, hein, tu sens? Il y a une émotion, une respiration. Un, deux, trois. Alors, donc caché derrière la question, pourquoi je m'ennuie au travail, pourquoi je n'ai pas trouvé ma voie professionnelle, en fait, hein. Il y a, alors je vais faire la lecture, hein, il y a juste à écouter. Alors, j'avais la croyance que j'avais une voie professionnelle déjà. Et rigolote celle-là. C'est la même histoire que l'histoire du chemin spirituel. C'est kiff kiff bourrico, copier-coller. Il y a plein qui posent la question, quel est mon chemin spirituel? Hein? Donc ça, c'est l'ego spirituel, le je spirituel, le moi spirituel, le dit spirituel qui se dit, ah, mais j'ai un chemin. Je vais aller demander à quelqu'un quel est mon chemin, quoi, tu vois. Et bah, c'est une question qui revient souvent le dimanche. Et puis, vous avez une vidéo. Comment c'est la vidéo? Chemin de vie, piège à gogo, sur ma chaîne. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin de vie. Okay? Donc, tout ça, c'est des histoires d'ego spirituel. Bon, ça vend bien. Hein, il y a des millions de vues là-dessus, hein, sur YouTube. Mais il y a exactement la même chose avec le chemin de vie professionnel. C'est kiff kiff bourrico. C'est j'avais la croyance que j'avais un chemin de vie professionnel. Et tout ça, c'est de nouveau rattaché à la personne qui est totalement immergée dans la matrice. Et dans la matrice, la première chose que les gens vous demandent, c'est tu fais quoi dans la vie? Okay? Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est comme si c'était pas possible de rien faire, tu vois. Mais c'est normal, c'est sympa, c'est marrant, mais c'est vraiment très conditionnant. Voilà, il y a même des gens, si tu leur dis je suis bouché, ils vont partir en courant, ils voudront plus te parler parce que pour des raisons spirituelles, c'est pas bien, tu vois, de tuer les animaux. Ce qui se comprend, hein, d'ailleurs. Mais le boucher, il a peut-être un super cœur, il est peut-être super beau, et peut-être qu'il va arrêter dans 2 mois de couper la viande. J'en sais pas. Il va peut-être devenir végétarien, le boucher. Donc, laisser une chance à tout le monde, quelle que soit la profession, même des professions, tu vois. Tu dis, tiens, je suis caissier chez Prise Unique. Ah ouais, d'accord, mais c'est peut-être un maître tantrique, caissier chez Prise Unique. Tu comprends? Donc, c'est important. La profession, c'est pas ça qui fait l'homme ou la femme. Non, c'est le cœur qui fait l'homme ou la femme. Alors, mais dans notre société, voilà, le chemin professionnel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois, le mec, il dit, ouais, je suis ministre. Ah, tout de suite, il y a plein que ça intéresse. Une respiration. Un, deux, trois. Je te dis ça au hasard parce que je commence à voir l'historique de tous tes passages il y a un an ou deux. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est rare que j'ai l'historique, hein. Mais là, pour une fois, tu es tellement passé dans le dialogue avec l'autre, j'espère que tu vas repasser d'ailleurs, qu'il y a un petit historique. Alors, c'est rare, hein. Une respiration. Un, deux, trois, et je relâche. Et il y a même plein d'hommes et de femmes qui recherchent d'ailleurs des conjoints en fonction de leur profession. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Et du point de vue de l'être, en fait, c'est incroyable. Du point de vue du jeu, c'est social. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait ton mari, tu vois. Et ça, c'est vraiment le personnage qui se dit, tiens, je vais prendre un chéri de telle façon, ça va me donner de la sécurité dans la vie. Une respiration. Un, deux, trois. Bon, je vais revenir quand même à ta question. Mais bon, c'était bien d'en parler aussi quand même. J'avais besoin de voir que... Ah, puis ça revient de nouveau l'amour. C'est chiant ça. Bon, attends, je termine quand même sur l'amour, puis on en reviendra peut-être après. Tu avais 2 questions ou... Le système, il veut qu'on traite l'amour avant de traiter le professionnel, mais je sais pas pourquoi. Toi, tu sais? Ok, t'as trouvé... Alors, c'est le chéri de l'autre jour ou c'est un nouveau?
C'est un nouveau, c'est pas celui qui était à l'autre bout du monde et que tu pouvais pas voir. D'accord, donc les affirmations positives ont bien fonctionné alors, du coup. Sur l'amour, c'est le cas est traité. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Bon, allez, on va re-rester sur le pro alors. Donc, j'avais besoin de voir que je ne suis pas venu sur Terre pour une mission de vie professionnelle. Je suis venu sur Terre pour être. Et derrière ta question, il y a caché, je n'avais pas trouvé mon plaisir au travail. Tu vois? J'avais besoin de voir qu'est-ce qui me fait plaisir comme activité. Et j'avais besoin de me débrouiller ou trouver une solution pour que mes plaisirs se transforment en argent, en activité professionnelle. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Du deuxième chakra, où est mon plaisir, mes émotions, qu'est-ce qui me plaît? Et après, je vais faire une activité et après, la conséquence, c'est j'aurai de l'argent, je vais gagner ma vie parce que je ferai une activité qui me plaît. Tu vois? C'est dans cet ordre-là. Donc, dans ta question, pourquoi je m'emmerde, qu'est-ce que je pourrais faire? La vraie question, c'est qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Et donc, du coup, nous allons aller arriver au cœur du sujet, c'est elle est où la jouissance dans ta vie? Au niveau professionnel, au niveau des activités, de la passion. Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? C'est quoi les. Dans tous les travaux, parce que tu as déjà fait plein de travail, tu vois, plein de professions. Si tu fais un résumé de. Tu vois, qu'est-ce qui t'a plu? Et puis aussi, qu'est-ce qui t'a pas plu d'ailleurs? Okay? Et là, on va arriver vers une solution. Hein? On peut définir qu'est-ce qui t'a plu dans toutes les activités professionnelles que tu as faites jusqu'à aujourd'hui. J'aimais bien être une nounou et prendre soin des enfants. Ok? D'accord. Quoi d'autre? J'aime bien le théâtre, c'est ça? C'était quoi la scène? Ou le chant, d'accord. Donc j'aime bien chanter en public. Ouais. J'aime bien tricoter et coudre. Okay. Alors, dans les relations aux autres, est-ce que tu aimes bien la relation à l'autre? Parce que tu as fait des métiers où tu étais beaucoup en relation avec les clients. C'est comment ça? Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Mais tu as le droit d'être franche avec toi-même, hein, c'est pas un problème. Hein. En plus, tu es totalement anonyme là. Alors, je n'ai pas trouvé le plaisir dans la relation humaine. T'es d'accord? C'est OK, hein? Tu peux revenir dans le micro, t'es parti du micro, là. On revient. Alors, il n'y a pas de on, il y a je, il n'y a que du je. Fais une respiration avec moi, garde les yeux fermés. 1, 2, 3. Alors, ça, c'est un point important. La relation à l'autre, c'est un point très important dans le monde professionnel. Donc, pour le moment, je n'ai pas trouvé la jouissance dans la relation à l'autre. Hein, t'es d'accord? C'est important de le voir et d'en parler, ça, parce que c'est ça le sujet, en fait. Hein. Alors, non, c'est pas j'ai du mal. On va garder en mode iléisme. Natacha a des difficultés dans les relations à l'autre. Hein, est-ce que c'est vu que c'est la même histoire avec les relations amoureuses, d'ailleurs? Est-ce que c'est vu ou pas, ça? Impossible, hein, c'était pas vu. Laisse tousser une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, je vais faire la lecture quand même.
de ce que je ressens. J'avais besoin de voir que je suis venu sur Terre pour avoir des relations avec les autres. Manque de bol. Ça ne fait pas plaisir, la date. Merde. Fais chier. Eh oui, comment tu te sens avec cette idée que je suis venu sur Terre pour, exprès pour, relationner avec les autres moi, les autres humains? Comment tu te sens avec cette idée bizarre là? Qui n'est pas une bonne nouvelle, mais qui est quand même une idée. Ah, il y a 10 ans, j'aurais pas été contente du tout, ok? Et là, après avoir passé 10 ans à travailler dans la restauration, et comment tu te sens avec cette idée alors? Que je suis venu sur Terre pour discuter avec, enfin pour relationner, pour être en contact, pour apprendre. Alors aussi, pire que ça, regarde la deuxième mauvaise nouvelle, je vais me transformer, je vais m'éveiller seulement au contact des autres. C'est pire encore. C'est les autres qui vont m'éveiller, qui vont me transformer, qui vont m'aider à me transformer en fait, tu vois? Comment tu te sens? Là, je commence à taper dans le dur là. Que des mauvaises nouvelles. J'ai pris une session pour avoir des mauvaises nouvelles. Fais chier. Est-ce que tu as perçu dans ton histoire que tes grandes transformations n'ont eu lieu que au contact des autres? Mais certaines personnes, d'ailleurs, pas tout le monde, hein, mais. Ouais. C'est évident ça, non? Ou pas? Oui, parfois c'est court. Oui, mais c'est quand même les autres qui te montrent des parties de toi, en fait, pour résumer un peu. Laisse tousser. T'as des raisons de tousser maintenant. De tousser. C'est. Mais est-ce que tu l'as vu dans ton passé, et là c'est pour tout le groupe, hein, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous n'avez pas vu, ce qui est possible, hein, il y en a qui ne voient rien, que c'est uniquement les autres qui vous transforment? Alors évidemment, dans les méditations, il y a des réalisations, et là il n'y a pas d'autres, c'est vrai. Mais en même temps, la méditation, elle est guidée là, dans ce qu'on fait. Et puis. Mais la plupart d'entre nous, les êtres humains, se transforment grâce aux autres, grâce. Ou à cause, comme vous voulez. C'est because, c'est parce que, tu vois. Et alors, on va revenir sur le modèle professionnel hein, quand même. Et j'avais besoin de voir un truc très important. Dans le monde professionnel, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que je vais faire un métier super passionnant, super intéressant? Mais c'est ma capacité à être en relation avec les autres, en fait. Tu vois? Alors, évidemment, il y a des métiers, il y a des gens, ils sont sur ordinateur toute la journée, ils sont en relation avec personne. C'est des cas un peu spécifiques. Les informaticiens, Sébastien, il connaît, hein, il a été. Mais même les informaticiens, ils ont besoin de discuter avec les autres personnes pour parler du travail, etc. En général, les informaticiens, ils ont un responsable qui leur donne un travail. Bon, il y a des informaticiens qui se débrouillent pour être tout seuls, indépendants, totalement déconnectés dans un univers virtuel. Ça existe, hein. Il y en a plein. Hein. Mais si nous allons dans l'humain, dans le cœur, dans l'émotionnel, dans le corps, dans ce qui fait que nous sommes humains et dans ce qui fait que nous ne sommes pas des ordinateurs, des robots, okay, ce que je vous recommande d'ailleurs, eh bien, c'est évident que c'est là que ça va se jouer en fait. Le plaisir que je peux avoir dans la relation à l'autre. Qu'est-ce que ça me fait, la relation à l'autre? Comment ça me transforme? Comment ça me nourrit en fait? Je parle de se nourrir. Comment tu te sens avec cette idée de se nourrir des autres? De la relation à l'autre plus précisément. Attention, je précise parce qu'il n'y a pas de cannibalisme chez nous. Je me nourris de la relation à l'autre. Ça te parle, tu vois? Mais le cœur de la session et de ta question, c'est pas quelle est ma voie spirituelle, hein. C'est comment je pourrais me sentir bien avec les autres et me nourrir de la relation à l'autre. C'est ça la vraie question. Parce que si j'arrivais à régler ça, je peux faire plein de métiers et gagner plein d'argent. Tu comprends? Si j'ai du mal dans ma
dans mon rapport à l'autre, ça me coupe, ça me ferme la porte sur plein de métiers et je vais gagner moins d'argent, en fait. Ça limite de façon extrême les possibilités, en fait. Tu comprends? Parce que dans les entreprises, les gens qui ont des problèmes relationnels, c'est l'horreur, quoi. Parce que comment tu veux travailler en équipe? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, c'est des équipes. C'est des équipes, au moins une équipe, et après des équipes qui travaillent entre elles. Tu comprends? Ça s'appelle une entreprise, hein. Moi, je vois ça comme ça, une entreprise, hein. C'est juste des équipes d'humains. Mais si, par exemple, il n'y a pas le discernement pour voir que dans cette entreprise, la relation humaine, c'est pas le truc important, et tout le monde est traité comme du bétail. Si ça, c'est pas vu, alors tu vas dire, ah, c'est nul le travail. Non, c'est pas le travail qui est nul. C'est cette entreprise qui n'a rien compris à la vie et à l'humain. Mais si je vais dans une entreprise à taille humaine, peut-être pour commencer, en général, c'est plus facile à taille humaine, mais en général, hein, pas tout le temps. Et si je vais dans une entreprise où il y a de l'humain, où j'aime les gens et les gens m'aiment, si, si, c'est possible. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. Mais si ça existe, et si ça n'existe pas, bah, que vous créez votre propre entreprise, dans ce cas-là, vous aurez votre entreprise à votre image, okay? Ce qui est une bonne solution aussi. Et bien là, et ben je n'irai jamais au travail, j'irai faire une activité rémunératrice professionnelle, mais ça ne sera pas du travail, ça sera une joie, une passion, un truc intéressant de co-créer avec les autres. Tu comprends? Et c'est ça que j'ai besoin, c'est de ressentir l'intérêt de la co-création avec l'autre, et j'ai besoin de ressentir en moi que je peux me nourrir de la relation, que ça peut me faire beaucoup de bien de travailler avec les autres, tu vois? Hein? Voilà, j'ai fait des métiers où j'étais bien avec les gens, et là, j'étais contente. T'es d'accord? Et quand j'avais une mauvaise relation avec mon responsable ou les clients, bah, j'étais pas contente, évidemment. T'es d'accord? C'est tout simple, en fait. Donc, si tu vois vraiment clairement les choses, ça dépendait pas du travail, ça dépendait même pas de l'activité, ça dépendait des gens. C'est incroyable, quand même, cette histoire. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, hein. Tu vois? Si j'ai du plaisir dans la relation à l'autre, si c'est fun de faire un projet ensemble et que l'entreprise fonctionne et que l'entreprise gagne de l'argent et que moi j'ai un salaire et que je gagne de l'argent avec l'entreprise, mais c'est génial en fait. Pourquoi pas? Tu comprends? Et peut-être que c'est une entreprise qui fait un truc bien dans le monde. C'est pas Coca-Cola, tu vois. C'est pas McDonald's non plus, tu vois. C'est pas de la malbouffe. C'est, je sais pas, c'est la haute gastronomie végétarienne, admettons. Ou je travaille dans un magasin bio, j'en sais rien, tu vois. Je dis tout ça au hasard. Hein. Je travaille pas dans une grande surface, c'est évident. Je travaille pas dans des gens qui sont dans des systèmes de manipulation ou d'oppression, ou même de, comment ça s'appelle, de domination, des fournisseurs, ou je sais pas quoi. Enfin, je dis tout ça au hasard. Mais tu vois, il y a des entreprises, il y a entreprises et entreprises, quoi. Et ça va dépendre évidemment des responsables des entreprises, du type d'entreprise et même du type de produit. Tu vois? Tout ça c'est à prendre en compte dans ma voie professionnelle. Quelle entreprise qui vend quoi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est une entreprise qui détruit la nature ou qui détruit le corps des gens? Admettons, je sais pas, tu vois, une entreprise de cigarettes. Tu vois? Est-ce que ça. Ou je parlais de la boucherie tout à l'heure, c'était marrant, mais est-ce que voilà, est-ce que je travaille dans un abattoir? Est-ce que je travaille, tu vois? C'est quelle entreprise? Donc tu peux commencer par du macro, quel secteur d'activité? Qu'est-ce qui serait bien pour la planète? Ok? Admettons reforestation au hasard, ou tu vois, agriculture bio raisonnée, je sais pas moi, permaculture au hasard. Ou est-ce que, je sais pas, une entreprise qui replante des arbres? Enfin, bon, j'ai tout ça au hasard. Ou qui nettoie la mer. Ou même une entreprise humaine de, je sais pas, beaucoup plus simple d'aide sociale. Ouais, ça pleure, aide sociale, tu vois. Une respiration. Un, deux, trois. Ou tout simplement être indépendante et garder les enfants. Le lien humain avec l'enfant, tu vois. Comment tu te sens avec tout ça?
Ça te parle, hein? Tu vois que le problème, c'est pas qu'est-ce que je veux faire comme métier, mais c'est avec qui. En plus, je crois que je te l'ai lu le poème avec qui. Non? Je t'ai pas lu le poème avec qui? Avec qui je veux vivre, avec qui je veux travailler, avec qui je veux être. Hein? J'ai dû te le lire. En tout cas, non? Oh. Ok, il faudra le relire. Mais c'est un poème qui est sur le site avec qui? Parce que la question, c'est pas quoi, ni où, ni quand. La question, c'est avec qui, tu vois? Si tu es avec des gens géniaux et sympas, eh ben, tu seras contente de faire une activité, tu vois? Puisque là, ta question, c'est comment être dans la jouissance d'une activité professionnelle, en fait, hein? Eh ben, ça dépend des gens, c'est ça la réponse, tu vois? Ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui j'ai absolument pas envie de faire n'importe quel métier du monde, tu vois? Qui a envie de travailler avec Hitler, sincèrement? Ou Staline ou Lénine, tu vois? Ou, alors un autre mot en in, ah ouais non, j'arrête les in parce que on est quand même sur YouTube, on ne peut pas dire tous les in, tu comprends? Mais tu vois, qu'est-ce que... Je peux pas travailler avec n'importe qui, quoi. Et plus je vais être dans l'éveil, plus je vais être sensible, plus je vais me désidentifier de la personne, et moins je vais pouvoir travailler avec n'importe qui. Et à un moment, je vais même être obligé de créer ma propre entreprise parce que je dois choisir mes clients. Je dois choisir mes fournisseurs, je dois choisir mes collaborateurs, je dois tout choisir en fait. Tu comprends? Ça dépend de votre niveau de conscience. Parce qu'à un moment, vous allez voir que bah, trouver des entreprises conscientes, il y a quand même moins que des. Tu vois, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Tu vois? Puisque si tu regardes la matrice, c'est quoi? Bah, c'est facile, c'est fait avec des jeux, des personnes identifiées, enfin des consciences identifiées aux personnes, tu vois. C'est que des jeux, que des moi, que des égos. C'est la matrice, elle se nourrit de ça. Mais c'est 99% du monde. Donc à un moment, il y a peut-être aussi l'idée, tiens, si je me crée ma propre activité professionnelle. Tu comprends? Tu y as pensé, non? Ben oui, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Ben, tu peux garder des enfants, par contre, ça peut être une belle activité professionnelle, hein. Il y a des demandes. Hein. Ouais. Ouais. Une école sur Internet pour apprendre quoi? D'accord. Alors, bah, c'est une idée. Hein. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a un point quand même. Garder des enfants, ça résonne. J'ai envie d'être maman. Ouais, ça pleure. Je suis désolé. Hein, mais je peux pas ne pas en parler parce que ça résonne très fort. Je sais plus quel âge tu as. Eh oui, c'est bah, c'est normal. Hein. Le temps commence à passer. Et il y a un truc, hein, ouais, ça pleure fort. J'ai 32 et donc j'ai. Ouais, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Être maman, c'est un métier aussi, hein, figure-toi. Tu dois être au courant. C'est peut-être une autre solution aussi, hein, passer quelques années à m'occuper de faire des enfants ou un enfant, tu vois. Ouais, ça pleure fort. J'ai l'impression que c'est un peu ça ta priorité, non? En tout cas, dans ton système, c'est beaucoup d'émotions, hein. Ouais, mais c'est pour ça que je t'en parle. C'est important pour toi, ça. Hein. Eh ben ouais, t'as cette envie depuis combien? T'as 32, depuis que t'as 18 ans, quoi. Hein. Ça fait 4 ans, ouais. 14 ans. Du coup, ouais, bah, ça serait peut-être bien d'en parler à ton chéri. Est-ce que les hormones en parlent, tu vois, quand je suis chez toi? Parce que à chaque fois que tu me disais tout à l'heure, j'aime garder les enfants, moi ça résonnait, j'ai envie d'être maman. Alors, c'est mon métier d'être dans votre inconscient et de vous parler de ce que vous n'osez peut-être pas regarder, mais là, il faut en parler. Hein. Ouh, ça pleure. Tu sens? Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Oh, une respiration. 1, 2, 3.
Et ce qui est bien, c'est que la dernière fois que tu étais passé en session privée, c'était il y a longtemps, ça, non? Il y a plus d'un an, non? Sébastien, il n'avait pas la capacité d'aujourd'hui de ressentir toutes tes émotions, tu vois. Je sais pas si tu vois tu sens la différence? Quand ça pleure chez toi, ça pleure chez moi. Entends, chez Sébastien, pardon. Quand je dis chez moi, chez Sébastien. Oui, hein, tu fends? Alors qu'avant, c'était moins, c'était beaucoup moins. Avant, c'était. Et du coup, là, waouh, c'est chouette. Tu vois? C'est la priorité de ton système, c'est de faire un enfant, hein, je te le dis. C'est pas du tout le travail, en fait. Ils s'en foutent complètement du travail. C'est vraiment hormonal, quoi. Alors peut-être que c'est le cycle par rapport à la lune aussi, hein, je sais pas. Peut-être que dans 3 jours, ça sera fini, hein, mais aujourd'hui, maintenant, là, c'est un truc qui... Et j'ai l'impression que c'est important pour toi, comme tu le dis, hein, tu y penses depuis longtemps. Donc, comment tu te sens avec cette idée de faire un bébé? Ça va pas tarder. Mais qu'est-ce qu'il en pense, le chéri? Parce que c'est un truc à deux, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il en dit? Il a envie, d'accord. Bon, bah, c'est parfait. Bon, tout le monde a envie. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Non, parce que si tu veux, ça va t'occuper au moins pendant 9 mois. Et voilà, donc bon, tu peux travailler pendant que tu es enceinte, hein, c'est pas un problème, mais c'est à prendre en compte, ça, c'est important. Une respiration. 1, 2, 3. Du coup, tu vois, au niveau du projet professionnel, si tu as envie d'avoir un enfant, bah, commence déjà par être nourrice et à commencer à t'occuper des enfants, c'est parfait pour toi. Déjà, ça va te mettre dans le bain, ça va t'habituer progressivement. Parce que si tu commences un emploi dans une entreprise, c'est pas très pratique pour les entreprises d'embaucher des femmes qui vont tomber enceintes. C'est assez compliqué à gérer pour eux, pour elles, hein, pour les entreprises. Donc, du coup, peut-être c'est super, en fait, tu vois, de faire ça. Tu commences et puis ça va t'habituer, puis ça va te mettre dans l'idée d'avoir un enfant, puis ça va aider dans l'énergie, tu vois. Et puis après, bah tiens, bah la nourrice, elle est enceinte, bah c'est super, elle va s'occuper peut-être même à la fois de ton enfant, mais aussi des autres. Donc ça te permettra à la fois d'avoir des revenus tout en étant maman et t'occuper de ton enfant. Tu vois, tu peux faire les deux, tu peux très bien garder des enfants tout en t'occupant du tien pendant un an ou deux, tu vois, c'est pas impossible ça. Ouais, ça pleure, ouais. T'as envie de ça, j'ai l'impression, non? Quand ça pleure beaucoup comme ça. Mais oui, bah voilà, bah on a trouvé ton projet professionnel. C'est de faire un enfant et de s'en occuper et puis de garder d'autres enfants. Ouais, ça pleure, ouais, c'est super aligné, ça. Tiens. Ça pleure tellement que c'est évident. Tu vois. Ouais, une respiration, c'est beau en même temps. Une maman, elle va être maman. 1, 2, 3. Et puis c'est la bonne date, tu vois, 32. Parce qu'après, un moment, c'est bien. Voilà. Bon, ben voilà, la session est terminée. En tout cas, cette question-là est terminée. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Dans le corps. Tu sens que ça résonne ou pas? Parce que c'est le corps qui dit oui, hein. C'est pas Sébastien, ni Natalia. Hein. C'est Natalia, hein, c'est ça? Ou Natacha, je sais plus. Natalia. Ouais, c'est proche. Mais c'est pas Sébastien ou Natalia qui décide de ça, c'est le corps. C'est ton cœur. Le cœur, le corps dit, ok, oui, je veux un enfant. Okay. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Parce que c'est pas toi qui veux un enfant. Hein. C'est la vie qui veut un enfant. Et comme ton corps, c'est une cellule de la vie, eh ben, quand il y a envie, il y a envie. Hein. C'est sympa pour ton chéri d'ailleurs. Est content. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça alors? Ça fait du bien. Ouais. C'est la saison. Il y a vraiment un truc, c'est la saison. Tu vois. Il y a un truc qui dit, c'est le moment. C'est marrant, tu sens ou pas? C'est spécial, hein. C'est pas tous les jours que je vais chez quelqu'un et puis que je ressens ça, en fait. Mais quand je suis chez toi, c'est marrant. Je ressens vraiment ça, quoi. Parce que c'est très corporel, en plus. Je sais pas si tu... C'est comme si c'était hormonal, en fait. Tu vois? Ouais, tu le sens. C'est hormonal, en fait. C'est marrant, c'est... Ouais?
T'es sensible aux enfants, ouais. C'est un vrai appel, hein. C'est un appel très profond, hein, qui vient de l'intérieur, hein. J'ai besoin de m'occuper d'enfants, j'ai besoin de faire un enfant. Et alors, ce qui est important de voir, alors pour toutes les femmes peut-être qui sont avec nous, les hommes aussi d'ailleurs, j'avais besoin de voir que c'est purement instinctif et que ça n'a rien à voir avec la personne, hein. Ça n'a rien à voir avec Natalia ou. C'est la vie qui a envie d'avoir un enfant, hein. Tu vois? Ben y a, oui, c'est ça, c'est la vie qui a envie d'être la vie, et ça fait partie de la vie de vouloir faire des enfants. Et d'ailleurs, alors ben ça fait partie de l'expérience de Sébastien, qui a eu des expériences avec des femmes aussi, pas que des hommes. Et à un moment, alors c'est au moment de l'orgasme, précisément, il y a l'âme de l'enfant qui descend. C'est-à-dire que les parents font l'amour, okay? Ce qui est tout à fait normal, hein? Et à un moment, donc il y a un orgasme, et là, il y a un moment très précis où tu peux sentir qu'il y a une âme, quelque chose qui descend, qui arrive à ce moment-là. Puisqu'en fait, c'est un moment très, très spécial, hein, l'orgasme sexuel. C'est un moment où ça fait un avec l'univers. La vie fait un avec la vie. Et là, donc, bah, les parents, l'homme et la femme vont vivre ça va être intense. Et c'est à ce moment-là qu'il y a comme un portail, un truc qui s'ouvre et l'enfant qui vient. Et qui va, et qui est là à ce moment même, en fait. Hein, tu vois. Je te dis ça parce que Sébastien, quand il a vécu ça, il a eu peur. Hein. Et oui, à un moment, il a laissé les filles et waouh, c'était ouf. Parce que ça peut faire peur, en fait. Hein. Ou pas, hein, ça dépend. Mais en tout cas, ça va être une grande jouissance, tu vois. De faire venir un enfant. Et c'est plus il y aura d'amour et d'orgasme, et plus ben voilà, il y aura un niveau vibratoire de l'enfant qui va venir. D'où l'intérêt de faire l'amour uniquement avec des personnes que vous aimez, avec qui vous êtes très amoureux, amoureux, pour que ce soit un enfant d'amour qui vienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors tous les enfants sont des enfants d'amour, mais au niveau vibratoire, il y a quand même un truc. Spécial, puisque l'âme va choisir, dire tiens, eux ils font l'amour, j'y vais. Je veux bien m'incarner sur Terre avec eux, ils sont sympas. Tu vois? Et c'est intéressant de voir en tant que clairvoyant comment ça se passe, quoi. Parce que ça se passe, il y a quand même toute une histoire, des mécanismes qui font que. Alors les gens ils croient qu'ils font l'amour juste pour se faire plaisir, mais pas du tout. C'est la vie qui fait l'amour à la vie. Pour qu'il y ait des âmes d'enfants qui s'incarnent, hein. C'est comme ça que ça marche, techniquement. Bon là, c'est la page clairvoyance, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je te le dis. Donc, c'est bien d'être romantique, de créer un cadre super entre toi et ton chéri, pour que bah, ce qui doit se passer se passe, mais que ça soit dans des bonnes circonstances, parce que ça va jouer après sur l'arrivée de l'enfant. Et après, voilà, prendre beaucoup soin de toi. Voilà, ça pleure, voilà. Et il y a aussi ça, c'est-à-dire que je vais prendre soin de moi, parce que je serai une femme enceinte, et ouah, ça pleure, tu sens. Une respiration. Un, deux, trois. Du coup, non seulement je vais avoir un enfant, mais en plus, je vais prendre soin de moi pendant 9 mois. Et du coup, je vais monter ma vibration, parce que quand l'âme arrive dans le ventre, eh ben, c'est un Bouddha, hein, tu vois, qui arrive. C'est un être éveillé. Forcément, puisque ce que nous sommes à la base est éveillé, est Bouddha, tu vois. Et ça va faire partie de ta transformation spirituelle. Et oui, avoir un enfant fait partie de l'initiation spirituelle de la femme. Hein. Ah ben, ça fait aussi partie de l'homme, mais particulièrement de la femme. D'ailleurs, les femmes sont transformées quand elles ont un Bouddha dans leur ventre pendant 9 mois, c'est évident. Et ça fait, voilà, ça augmente la sensibilité, c'est comme une cérémonie chamanique sur plante sacrée, quoi. Mais pendant longtemps. Tu vois? C'est-à-dire, ça fait partie du chemin d'éveil et du chemin spirituel. Alors, c'est pas toujours dit et connu, hein, mais c'est évident. Et une respiration. Un, deux, trois. Et vu comment ça pleure et ça tremble quand on parle de ça, là, c'est hyper aligné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Rien que l'idée d'être une maman, d'être une femme enceinte, ça tremble, ça pleure dans tous les sens. Tu vois? Donc, c'est pas par hasard, quoi.
Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a le frisson, c'est que c'est évident, quoi. C'est la suite de l'histoire. Ah, c'est beau. Comment tu te sens avec tout ça? Dans la lumière, oui, c'est joyeux. C'est marrant parce que tu poses sur la question professionnelle, puis tu arrives sur je vais être femme enceinte à la maison, femme au foyer. C'est marrant. Ben oui, mais pourquoi pas, hein, c'est une session. Personne ne peut savoir comment peut se passer une session. Hein. C'est canalisation de comment je m'aligne avec l'être. Et surtout, comment je m'aligne avec la vie. Et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, c'est important bah, de faire un enfant, d'être maman. C'est hormonal. Parce que c'est pas. La personne qui fait, c'est pas important pour la personne. La personne, elle n'existe pas, c'est une illusion. Non, c'est important pour la vie que la vie fasse un enfant. Tu comprends? C'est pour ça d'ailleurs que pour les hommes, c'est important aussi de faire l'amour. Pour la même raison, en fait. C'est vrai, hein? Les hommes ont besoin de faire l'amour, mais c'est pas les hommes qui ont besoin de faire l'amour, en fait. C'est pas eux en tant qu'hommes, en tant que personne. Non, c'est la vie et les hormones à travers les hommes qui ont besoin en fait de faire l'amour parce qu'il y a besoin de se reproduire. Et chez la femme, c'est pareil. C'est marrant de voir ça comme ça en fait, mais c'est extrêmement naturel hein, de faire l'amour et d'être attiré, que les corps soient attirés les uns avec les autres. C'est hyper naturel et authentique, mais par contre, c'est la religion qui a tout castré, qui a dit non, blablabla, il faut tel contexte, telle circonstance, et blablabla, et blablabla. Mais si vous enlevez la religion et tous les conditionnements, et vous sortez de la matrice, vous allez voir, c'est un truc hyper naturel. Évidemment, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de se reproduire, hein, en fait. Hein? Du point de vue de la vie, c'est vraiment une grande évidence, quoi. Une respiration. 1, 2, 3. Alors que, en général, pour les sociétés, alors pas toutes les sociétés humaines, mais dans notre société occidentale, c'est toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire de se reproduire, de rencontrer quelqu'un, l'homme de la vie, blablabla, tout le système religieux, la matrice, machin. Oh, ça devient très, très compliqué, quoi. Alors que quand vous êtes la vie, ah, c'est super simple et naturel, en fait. Ça se fait, en fait. Tu vois? Et plus vous allez aller dans l'être, et plus la partie sexualité, relation humaine et relation d'amour va se passer de façon naturelle et pas de façon conditionnée, en fait, et conditionnelle. Tu vois? C'est ça que nous sommes en train de guérir maintenant. Tu vois? Comme si, à cause certainement d'une éducation religieuse ou quelque chose, comme si j'avais pas le droit. Tu sens? Là, ça pleure. Ah, attends, une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi je me sens pas légitime? Pourquoi je crois que j'ai pas le droit? Voilà, tu sens? Ah, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Oui, puisque tu as envie depuis 14 ans et tu as attendu 14 ans quand même. Hein. Ouais, et là, ça repleure. Une respiration. 1, 2, 3. C'est pour ça, c'est l'objet de la session, c'est s'autoriser à faire un enfant. Ça, c'est marrant. Toi, tu viens pour. Je voudrais un travail et moi, je t'amène. Je voudrais m'autoriser à faire un enfant. C'est drôle. Bah, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu Je t'aime. Ouais, on se connaît depuis 2 ans au moins. Au moins, peut-être 3. 3. C'était avant le Covid. Hein. À toi, 2018, 4 ans. Waouh. Eh ben, c'est chaud. 5 ans. Waouh. Eh ben, viens en stage avec ton chéri cet été, hein. Il y a des tentes de camping, il y a de la nature, il y aura tout ce qu'il faut. Dans la nature, il y aura une belle vibration. Et 9 mois après, voilà, une respiration. Ah, un enfant qui aurait été fait à Bergerac, ça, je me demande bien ce que ça va donner, hein. Parce que avec le taux vibratoire qu'il y a, là, c'est forcément des anges, hein, qui vont venir. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Ouais, il y a des tentes 4 places vous serez deux dans une tente 4 places dans la nature, il n'y a pas de problème. Hein, vous serez tranquille, isolé, en amoureux, dans la nature. C'est top, ça, quand même, franchement, pour l'été. C'est un bon plan. Hein. C'est un bon plan. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, on va dire des mantras.
Pour toutes celles et ceux qui sont avec nous, qui veulent des enfants, si vous voulez pas d'enfants, ne dites pas les mantras. Parce que sinon, vous risquez d'en avoir. Je vous préviens quand même, parce qu'il y en a qui. Bah oui, les mantras, ça quand même, ça marche. Hein. Donc faites gaffe. Alors, oui, tu es d'accord, tu veux dire des mantras pour t'autoriser plus facilement à avoir un enfant. Hein? Oui, quand même, je vérifie quand même. Une respiration. 1, 2, 3. Allez, on va faire un home d'amour dans le cœur de Natalia. Alors dites avec moi, gratitude d'être la vie. Je laisse la vie faire des enfants à travers mon corps. Une respiration. 1, 2, 3. J'accepte d'être la vie. Je laisse la vie être à travers mon corps. Mon corps s'abandonne à la vie. Je réalise que ce n'est pas mon corps. C'est le corps de la vie. Je m'autorise à avoir un bébé. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Bah, tu me donneras des nouvelles hein, par WhatsApp. Tu me diras, j'ai fait un test. Ça a marché. Respiration. 1, 2, 3. Alors, si je continue la canalisation, tu as une autre question là-dessus ou pas, ou je continue comme ça? Alors, donc, pour les mamans, les futures mamans, parce que ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé dans une session privée, hein, donc c'est bien que ça soit enregistré, que ça soit mis sur YouTube et que ça va aider plein de gens. J'avais besoin de créer un contexte, un environnement serein, calme, tranquille, favorable pour héberger le bébé qui va venir. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre mon rôle de maman. Mon rôle de maman est de choisir évidemment un chéri qui va être le papa et de choisir et de créer un environnement favorable, préparer la maison, peut-être modifier la décoration, tout mettre en place, en fait, préparer psychologiquement mais aussi matériellement la venue en fait. J'ai besoin de voir que l'enfant va se sentir accueilli ou pas. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Donc là, ça fait résonner bah, tous les enfants qui n'ont pas été accueillis. Et malheureusement, c'est plus que la moitié. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Et j'ai besoin d'accueillir en conscience l'âme qui va venir s'incarner dans mon corps. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de me préparer psychologiquement pour que ça puisse venir. Voilà, tout simplement. J'avais besoin de comprendre que, en fait, faire un enfant est un abandon. Un abandon de quoi? De la personne. La personne s'abandonne à la vie. Les corps s'abandonnent à la vie et la personne s'abandonne au corps physique. Tu vois? Tu vois, c'est pas toi, en fait, qui fais l'enfant. C'est toi, en tant que je, en tant que femme, qui s'abandonne en fait à la vie, et c'est la vie qui, à travers vos corps, veut faire un enfant. Tu vois comment ça marche? Ça n'a rien à voir avec les identités ou les personnes. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors l'identité de la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a choisi le bon partenaire, bien sûr, et a choisi le bon moment. Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources financières ou de ressources? Est-ce que, tu vois, si c'est la guerre et que c'est la famine, c'est pas le moment de faire des enfants, quoi. Mais une fois, si l'environnement le permet, et ça c'est le rôle du je, le moi, l'ego, il a quand même un rôle,
voilà, de tout mettre en œuvre pour que le contexte soit bien. Et alors, il y a un gros contexte psychologique, en fait. J'avais besoin de faire la méditation. Tu pourrais faire une méditation du dimanche le plus possible? Parce que ça va vraiment aider à lâcher prise, tu vois. Parce que c'est le but d'une méditation, c'est de lâcher prise, hein. À être bien avec son corps, à être connecté au corps physique, à déjà commencer à s'habituer à avoir les fameuses envies de femme enceinte, c'est-à-dire à ressentir tout fois mille. Tu comprends? Les fameuses, c'est quoi les envies de femme enceinte? C'est juste parce que je commence à m'écouter, en fait. Mais vous n'avez pas besoin d'être enceinte pour vous écouter, hein. Sébastien, il a plein d'envies de femme enceinte et c'est pas une femme et il s'écoute. S'il a envie de fraises, il va manger des fraises, hein. Et vraiment, c'est ça l'éveil aussi. C'est-à-dire que l'éveil, c'est comme être comme une femme enceinte, entre guillemets, c'est-à-dire s'écouter. Alors, dans notre société, malheureusement, il faut être enceinte pour s'écouter, mais c'est un peu débile. Mais et si je m'écoutais même quand je suis pas enceinte, quoi? Tu vois? Et même si je suis un homme, d'ailleurs. Tu vois? C'est ça, hein, l'idée. C'est je m'écoute, donc je vais dans l'être, je sors de la personne le plus possible. De quoi j'ai envie maintenant? Je me connecte à mon corps. Je me prépare. Tu vois? Et dans cette énergie-là, ça va aller très vite. Tu vois? Parce que je suis prête. Parce que j'ai décidé d'écouter mon corps. Tu vois? Parce que c'est ton corps qui va dire, tiens, c'est l'heure. Tu vois, par rapport à la lune, par rapport à l'ovulation, tout ça. C'est vraiment un cycle, quoi. Voilà, ça pleure, le cycle. C'est quand le prochain, le prochain moment? C'est vrai, c'est maintenant, c'est ce soir. Ah, je t'aime, ça ouvre le cœur. Je t'aime, je t'aime. C'est ce soir, tu vas dire à ton chéri. Ce soir, t'annules tout, dîner aux chandelles. Il faut que je t'explique un truc. J'ai fait une session cet après-midi avec Sébastien. C'est maintenant là, c'est maintenant là. Je sens, c'est maintenant. Ah. C'est maintenant, à minuit. Ah, je t'aime. Ah, faut quand même que ça reste naturel, hein. Ne te crée pas de pression. Et puis si ça marche pas, ça sera le mois prochain, t'inquiète, hein, faut pas se mettre la pression non plus. C'est naturel. Ça se fait si ça se fait. Alors, on va rajouter des mantras. Dites avec moi, là c'est pour tout le groupe, je m'abandonne à la vie. Et je m'abandonne à mon corps physique. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Relaxé. Tu sens, il y a de la joie. Y a de la joie. Comment tu te sens avec tout ça alors? T'as plein d'idées, d'accord, moi ça. Je ferme le rideau, hein. Les idées, ça sera entre vous. Mais et par rapport à garder les enfants, tu sens que c'est aligné, tu vois? Tu peux déjà commencer à mettre en place le système de nourrice, et puis quand tu auras ton enfant, bah voilà, tu continueras ton travail de nourrice. Tu vois? C'est chouette, non? C'est vachement chouette. Tu vois? Il n'y aura pas trop de stress, tu vois? Parce que si tu commences à créer ton entreprise au moment où tu es enceinte, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment, quoi. Tu vois? Tu vois? Ça risque de créer du stress, de créer des objectifs, des machins, il faut gagner de l'argent, tu vois. C'est pas du tout la même énergie que ah, oh, mais je garde des enfants, je suis tranquille. Tu vois? Hein, c'est pas. Tu pourras toujours créer ton entreprise après, quand tu auras ton enfant. Tu vois? C'est vraiment important de créer le contexte favorable à ton épanouissement. C'est vraiment le moment, voilà, j'ai 32 ans, je commence à prendre du temps pour moi. Et voilà. Donc les méditations du dimanche, puis voilà, puis ouais, trouver des enfants à garder, c'est pas très compliqué, hein. À mon avis, hein, c'est pas compliqué. Alors on va dire, donc, tu veux faire ça? Tu veux qu'on dise des mantras là-dessus ou pas? De toute façon, ça te servira toujours, hein.
Ouais, oh bah c'est super. Ouais. Bah pendant que tu es enceinte, tu peux faire ton travail spirituel, hein, il n'y a aucun problème. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, dis avec moi, je crée dans ma réalité. Plein d'enfants à garder. Toutes les mamans veulent que je garde leur enfant. Et ça me rend heureuse. J'aime être maman. Je m'autorise à être maman. J'ai le droit d'être maman. Alors, il y a un truc qui pleure. En fait, ce que ça fait là, ce qu'on vient de dire, c'est que ça sépare de ta maman. C'est comme si le fait que tu sois maman, tu seras plus la petite fille de maman, mais tu vas être ta propre maman. Ouais, ça pleure, elle sait pleurer. 1, 2, 3. C'est ça qui est l'enjeu de la session aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est de se séparer de maman. Voilà, laisse tousser. Une inspiration. 1, 2, 3. En fait, c'est comme un deuil, tu vois. Mais c'est pas parce que tu vas devenir maman que tu seras plus la fille de maman, t'inquiète. Mais tu seras toi-même maman. Donc je suis obligé pour être maman de devenir la maman intérieure. Tu vois le truc? Et donc, c'est vraiment très important pour les femmes de faire un enfant parce que vous vous séparez aussi de la maman. Tu vois? Et ça, c'est visiblement, c'est un enjeu important. Ça te parle? Ouais, ça pleure, hein? Ça pleure bien. Tu t'en rends compte tout d'un coup. Ben oui, c'est une surprise. Les sessions, c'est que des surprises en surprise puisque moi, je viens chez vous, on ouvre les placards, et puis tiens, dans le tiroir, ah ben il y a maman, qu'est-ce que tu fous là, maman, dans le tiroir? Ah, c'est ça une session, hein. C'est voilà, c'est comme ça, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, dis avec moi, maman, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Ouais, c'est pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Je me pardonne tout. Je vais être maman maintenant. Je vais être maman maintenant. Oh, ça pleure. C'est vraiment un processus alchimique quand une femme décide d'être maman. Parce que ça fait quelque chose par rapport à sa propre maman, tu vois. Et ça, c'est pareil avec les hommes. Les hommes commencent à être papa, ça les... ils sont plus le fils à papa. Ils deviennent papa. Au sens littéral du terme. Un homme qui devient papa n'est plus le fils à papa. Il devient un homme. Hein. Puisque dans l'inconscient, bah, je ne suis plus fils à papa, je suis papa. Tu comprends? C'est pareil pour les mamans. Je suis plus la fille à maman, je suis maman. Tu vois? C'est très puissant hein, d'avoir un enfant. Hein. Évidemment, c'est parce qu'elle a compris le message, il n'est pas idiot. Merci, merci Natalia. Non mais ça fait un moment qu'il reçoit le message de faire un enfant, hein, Sébastien. Mais bon, il a encore du chemin, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air d'être prêt du tout. Il a failli, hein. Il a failli. Une respiration. Il y a 5 ans, il a failli. Une respiration. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu me fais dire comme mantra, hein? Je t'aime. Allez, dès qu'on se revoit à Paris et que tu viens en stage, je fais un gros hug. Tu pourrais dire, oui, c'est grâce à moi que Sébastien il veut faire des enfants. Ah! Ouh là là, ça bouge là. Ah, merci Natalia. Une respiration. 1, 2, 3. Waouh! Ouais, ça fait bouger les hommes, hein, cette session. Hein. Ça fait pas bouger que les femmes. Hein. Ça fait bouger les hommes et les femmes. Enfin, toutes celles et ceux qui reçoivent le message de faire un enfant, quoi. C'est un métier à risque, hein, clairvoyant. Ça, Sébastien, il le savait. C'est un métier à risque. Il y a plusieurs risques dans ce métier-là. C'est que l'être va vous faire dire des trucs que vous n'avez pas forcément envie de dire. Okay? Et en plus, vous allez tomber amoureux. C'est vachement risqué comme job. Je me demande si je ne vais pas augmenter les prix. Sébastien, il va augmenter les prix parce que c'est de plus en plus risqué, hein. Bah oui, parce qu'il dit les mantras avec vous, hein.
Il a fait toutes les sessions privées depuis 5 ans et toutes les méditations, le pauvre gars. Ah ouais, vous voyez bien l'état dans lequel il est, hein. Il n'en sort pas indemne, hein. Une respiration. 1, 2, 3. Ouf. Bon, le pauvre gars, c'est pour rigoler, il est bien content, hein. Il s'abandonne ou il s'abandonne pas, hein. De toute façon, ouais. Si la vie a envie qu'il fasse un enfant, il fera un enfant. Tu vois, on est dans la même barque. Tu sens? C'est très drôle. Comment tu te sens? Il faut y aller, ouais. Tu sens qu'il y a un truc qui te dit d'y aller, tu sens. Ouais, je le sens bien, hein. Sébastien le sent bien aussi, hein. Bah oui, après il sera trop tard. Il y a un truc qui dit après il sera trop tard. Le temps compte. Oh, mais laissez-moi tranquille. Sébastien, il dit laissez-moi tranquille. Ah. En tout cas, j'ai l'impression que ça c'est plus facile pour toi que pour Seb. Bah, t'as 14 ans que tu penses, évidemment. T'as eu le temps de te faire à l'idée, quoi. Mais tu vois, l'enjeu, c'est de t'émanciper de maman. C'est-à-dire que tu vas être la maman. C'est quand même intéressant, hein. Voilà. Et l'enjeu pour les hommes, c'est d'être papa. Eh ben. La prochaine fois, Sébastien va demander de quoi vous voulez parler. Marrant parce que la session d'avant, c'était sur l'amour. Maintenant, c'est faire des enfants. Je sais pas ce que ça va être après. Mais c'est drôle. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, nous sommes dans une émission cycle de la vie. Et oui, c'est ça en fait, c'est les cycles de la vie. Faire un enfant, c'est un cycle de la vie. Alors, je vais continuer la lecture quand même. C'est pour motiver les troupes. J'avais besoin de voir que la vie disparaît si il n'y a plus d'enfant. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre le processus de continuité que la vie a inventé, en fait, pour que la vie continue. Et ce processus de continuité, donc c'est la sexualité, en tout cas chez les mammifères. Alors c'est différent sur chaque espèce, hein. Il y a les insectes, les mammifères, les animaux, voilà, et les plantes. C'est vraiment. Mais c'est la vie, quelle que soit l'espèce, hein. Une plante, un animal, un mammifère, un insecte, il y a toujours cette idée de la vie, c'est l'idée de la vie même. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez là dans le groupe, ça monte en vibration. Dites avec moi, tout le monde, je suis la vie. J'accepte d'être pleinement la vie. Waouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Du coup, je ne sais pas si ça pleure chez Seb ou chez toi. Hein. Les deux. C'est comment chez toi? Ouf. La belle Natalia. En plus, elle est super belle, Natalia. Moi, Sébastien, il l'avait en photo. Hein. Vous ne l'avez pas vu en photo. Franchement, il a de la chance, ton chéri. Hein. Ça va être un très beau bébé. Non, c'est vrai. Et une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, quand vous vous alignez avec la vie, bah, la vie a des envies. Et voilà. Et donc j'avais besoin de voir que c'est très important pour la vie, la continuité, donc la reproduction de l'espèce. Hein. C'est vraiment un truc très, comment dire, très bas niveau, très ancestral, très cerveau reptilien. Hein. C'est des milliards d'années avant le mental humain, hein, puisque toutes les espèces se reproduisent, voilà, et pas que les mammifères. Hein. Vraiment, c'est vraiment cellulairement, c'est vraiment la vie, quoi. C'est extraordinairement la vie. Alors, il y a une anecdote que je dois vous raconter. C'était une cérémonie chamanique sur plante sacrée, une cérémonie ayahuasca. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une cérémonie ayahuasca? Il y a les sens qui sont multipliés par 10 000, quoi. Et là, c'était des Brésiliens, je sais plus quelle tribu. Vraiment un truc qu'ils font depuis 4 000 ans, les mecs. Hein. Et ben, ils avaient amené un bébé pendant la cérémonie ayahuasca. Et le bébé, il faisait des bruits de bébé, quoi, et des gazouillis. Donc, il y avait musique, puis après, il y avait silence. Et juste le bébé, là, qui était là, qui faisait des ouin, ouin, enfin, des bruits de bébé, quoi. Il pleurait pas, hein, il faisait des bruits normaux.
Et waouh, ça avait mis une énergie dans la pièce incroyable. Et ça me fait penser à ça, en fait. C'est ce que nous sommes, en fait. Ça fait aussi penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, là, tu vois, l'image avec le fœtus. Waouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et ben, c'est ça. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la vie. Voilà. Waouh! Ça fait pleurer tout le monde dans le groupe là. Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, si vous allez au Brésil, en Amérique du Sud, et que vous faites une cérémonie avec des vrais chamans ayahuasca, ben, si jamais il y a un bébé, ben, vous aurez cette chance, cette grâce de faire un avec l'éternité, avec l'absolu, avec la vie. Parce qu'en fait, le bébé égale la vie, en fait. Voilà. Surtout si c'était un bébé qui avait quelques jours, hein, qui était quelques semaines, jours. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Ah ouais, là, c'est fait pour faire des enfants. Il y a l'âme qui dit « Je t'aime, maman ». Waouh, ça pleure. Il est déjà là, hein, lui. Hein. Il est déjà là. Il t'attend, ça fait un moment. C'est drôle. Oui, le temps n'existe pas pour lui. Alors, c'est lui ou c'est elle? Ah, on ne sait pas encore si c'est lui ou elle. Il est les deux. Ok. Bon, je dis, il est déjà les deux. C'est marrant, hein? Il est déjà les deux? Comment ça se fait, ça? Ah, il n'est pas sexué. Ça, c'est dingue. J'avais jamais vu ça. En fait, il et elle est déjà là. Il s'en fout. Il sait pas non plus lui-même s'il va être un homme ou une femme. Ah, mais il est là. C'est incroyable. L'âme n'est pas sexuée. Alors, c'est vrai que ce monsieur, il n'avait jamais regardé ça. C'est un peu évident tout d'un coup que l'âme n'est pas sexuée. Mais c'est génial de voir ça. Ah, ça se fera au dernier moment. C'est au niveau de la division cellulaire que ça se fait. Enfin, bon, bref. On ne va pas rentrer dans des détails biologiques. Une respiration. 1, 2, 3. En tout cas, c'est prêt. Hein. Ah, je t'aime, maman. C'est beau. C'est très maternel. J'ai jamais vu une session aussi maternelle qu'aujourd'hui. C'est bien parce que c'est bien d'avoir les âmes avant qu'elles arrivent, parce qu'en général, il y a les âmes une fois qu'elles sont parties. Parce que, en tant que clairvoyant, souvent il y a des enfants disparus qui viennent dans les sessions. Bah là, c'est avant qu'elles viennent. C'est marrant d'ailleurs. C'est vraiment bien les sessions de clairvoyance parce que bah, s'il y a des enfants qui sont décédés, bah, vous pouvez continuer à leur parler. Puis s'il y en a qui ne sont pas encore arrivés, vous pouvez aussi leur parler. C'est marrant. Non mais c'est fun en fait. C'est vraiment une continuité pour expliquer que voilà, c'est la vie en fait. La vie et la mort, c'est pareil. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Mais il n'y avait pas que toi qui es venu avec un enfant qui allait arriver. Je sais plus qui il y avait. Ah bah oui, si! Il y a eu ça il y a quelques semaines. Ça a même changé la saison de Dialogue avec l'être. On est passé à la saison 4 grâce à elle. Tiffen. Tiffen, elle est venue avec son... Son enfant avait parlé pendant Dialogue avec l'être avant qu'il s'incarne. Et maintenant, il est incarné. De mémoire, c'est ça l'histoire. Tiffen, c'est dans la saison 4, épisode 1 de Dialogue avec l'être. Et c'est énorme parce qu'il nous a donné plein d'énergie, il a fait toute une transmission. Vraiment, je te recommande de Dialogue avec l'être, saison 4, épisode 1, puisqu'avant on était dans la saison 3, et paf, ça a tout déclenché. Il me semble bien que c'est elle, hein, c'est Tiffen, ouais. Parce qu'elle aussi, elle me connaît depuis 3-4 ans. Et elle était passée à l'antenne il y a 3-4 ans. Et c'était un peu une histoire un peu similaire. Ouh, ça pleure, ouais. Et il a vraiment initié, en tant que Bouddha éveillé, hein, son môme qui était là, il a initié tout le groupe. Hein. Parce que les nouveaux enfants qui viennent, ce n'est pas les enfants de 1969 comme Sébastien, si tu veux, c'est les nouvelles versions, quoi. C'est les nouveaux modèles, tu vois. Ben ça, c'est une antiquité à côté. Tu vois, les jeunes qui naissent maintenant, là, qui vont naître, c'est des waouh, c'est 2023, 2024, c'est. Ah, c'est pour 2024. Peut-être. Il y a des probabilités. En tout cas. Et ça sera janvier. Ah! Ah, il n'y a plus qu'à aller voir l'astrologue.
Tu comprends, chérie, il faut qu'on fasse l'amour aujourd'hui parce que comme ça, dans 9 mois, il y aura Saturne en vierge. Ah, ils sont dingues, les mecs. Ils sont dingues. Ah, je t'aime. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il est déjà là. Hein. Je sais pas si vous sentez. Il y a tous les enfants qui se réveillent partout là. On veut s'incarner. On veut s'incarner. S'il te plaît, papa. Ah non, mais c'est bon là, ça va. Quelle heure il est? Ah, ouf, sauvé par le gong. Non, mais ça revient régulièrement, hein, ce truc. Hein. Sauvé par le gong. Ouf, la session est terminée. Non, ah, je t'aime. En plus, avec les personnes qui passent souvent, quand on se connaît bien, c'est beaucoup plus intense que quand vous venez pour la première fois, quoi. Souvent. Hein. Bon, bah, ma chérie, c'était bien. On va faire une petite pause. T'es là? Allô? Ah, j'ai appuyé sur. Non, j'ai appuyé sur le bouton. Non, si. T'es là? Coucou! Ah, non. Allez, alors, il y a une coupure. Sauvé par le gong. Ah, attendez, on va juste dire au revoir. Ah. Alors, c'est vraiment fun, hein. Merci d'être sur Zoom. On est beaucoup sur Zoom là. C'est chouette. Allô? Bon, bah, en tout cas, il y a une coupure réseau. Sébastien qui a manifesté dans la réalité une coupure réseau. Au moment où il y a l'âme qui a dit je t'aime, papa. D'accord. Et oui, les sessions, c'est aussi pour Sébastien, hein, pour ceux qui ne savent pas. Si vous êtes thérapeute, vous verrez que les sessions, c'est autant pour vous que pour ceux et celles qui passent. Bon, bah, ça tombe bien. De toute façon, on a fait 1h10, ma chérie. Je te fais des gros bisous. Et puis, on va faire une petite pause. Merci, Natalia. C'est vrai que Natalia, ça donne envie de faire des enfants. Elle est tellement belle, Natalia. C'est une belle femme comme ça ne se refuse pas. Je t'aime. Bah, gratitude au papa. Je t'aime, je t'aime. À bientôt. Allez, on fait une petite pause parce que là, c'était un peu chaud comme émission. C'était hot. C'est une émission hot, là. Alors, une inspiration. Allez. Allez, on fait quand même 5 minutes de pause et après ça sera à la personne suivante. La personne suivante qui va passer. Donc, il y aura 5 minutes de retard, qu'elle ne s'inquiète pas. Comment s'appelle la personne suivante? C'est Marie-Odile. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, c'est le moment d'aller boire un coup et de nous remettre de ses émotions. Alors, Marie-Odile, voilà. Alors, Marie-Odile, je ne sais pas si tu veux faire sur Zoom, mais il me semblait que tu voulais faire sur WhatsApp. Donc, tu me dis comment tu veux, tu peux dire en commentaire. Ah non, c'est une autre Marie-Odile, il y en a deux. Elle est où la Marie-Odile alors? Bon, voilà, on va s'occuper de tout ça. Allez, une petite pause pour tout le monde, et après, nous aurons Marie-Odile. Et ceux et celles qui ne sont pas encore passés, bah, je vais vous donner le lien pour passer le lien pour commander des sessions. Parce qu'en fait, vous pouvez passer tous les samedis en ce moment. Après, il y aura les stages, vous ne pourrez plus passer parce qu'il n'y aura plus la place pour faire des sessions privées. Donc, je vais vous mettre le lien en descriptif de vidéo. Voilà. Sur Zoom, il y a le lien pour prendre des sessions. Il y a de la place pour la semaine prochaine, profitez-en. Voilà. Et vous avez aussi, sur Zoom et en descriptif de vidéo, le lien pour le webinaire gratuit. Et Vivre l'amour qui a lieu vendredi prochain à 20h. Et tous les vendredis à 20h, nous allons avoir maintenant Vivre l'amour. Et oui, tous les vendredis 20h, c'est incroyable. Un webinaire. Parce qu'il y a tellement de besoins sur l'amour qu'il y a ce webinaire gratuit qui est mis. Et vous aurez aussi, évidemment, après une formation pour celles et ceux qui veulent. Les vidéos sont en train d'être construites. Une formation spéciale sur l'amour. Voilà, plein de nouveautés en ce moment. À tout de suite, bisous. Quelques minutes de pause.
Bienvenue dans les sessions privées du samedi. Nous allons reprendre notre émission après cette pause. Il nous reste 1 heure de session. Après une pause, et après vous aurez le champ de lettres à 20h, où vous pourrez passer à l'antenne aussi pendant 10 minutes par personne. Voilà, gratitude d'être ensemble, gratitude d'être la vie ensemble, de comprendre le processus de la vie, gratitude d'accepter la vie et la mort ensemble. Si vous êtes sur YouTube, Facebook, je vous mets un lien pour que vous puissiez passer sur Zoom, parce que sur Zoom, vous aurez la musique. Alors, nous allons nous occuper de Marie-Odile. Et donc en mode anonyme par WhatsApp. Oui, coucou, bienvenue. Voilà, bah, je t'entends bien, très bien, super. Oui, ouais, je t'entends bien. Alors, est-ce que tu as des écouteurs? Oui, on est sur WhatsApp là. Ok. Oh, bah super. Non, non, pas de haut-parleur, surtout pas. Non, c'est que au casque. Ma voix est enregistrée de toute façon, donc tu auras une copie. Non, mais il n'y a pas besoin, parce que moi j'enregistre ma voix. C'est sur YouTube en direct. Ma voix, ouais, mais pas ta voix, hein. Toi tu es anonyme. Et oui, comme ça tout le monde peut en profiter, en fait. Tu vois? C'est ça l'intérêt, en fait, les sessions privées, c'est comme ça tous les samedis. Alors, si tu peux t'allonger, fermer les yeux, on va faire un home d'amour, comme ça tu vas recevoir plein d'amour. Alors on va faire un home d'amour pour Marie-Odile. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, comment tu te sens dans ton corps? Point douloureux au niveau du dos. Okay. Alors, on va faire une inspiration. 1, 2, 3, installe-toi confortablement, les yeux fermés. On va faire un âme dans le premier chakra. Je m'abandonne. Voilà, et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Tu me connais depuis combien de temps? Il y a quelques années. Alors, ok. Quelques années. Amérique latine, c'était il y a 3 ans. Ouais. Ok. Bah là, je suis en Colombie. Sébastien, il est en Colombie et il sera en France dans un mois. Et pour les stages, après, il y aura les stages cet été. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Et ça s'abandonne. Voilà. Donc, tu es allongé, les yeux fermés. Et tu fais les méditations du dimanche, des fois? Non? Ok. Et tu regardes Dialogue avec l'être? L'émission? Ouais.
Ouais, c'est en différé direct, c'est à 20h le dimanche. Ouais. C'est ok, hein, c'est pareil. En fait, le temps n'existe pas de toute façon. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, et ça relâche. Voilà. Là, c'est un exercice pour ralentir. Une grande inspiration ensemble. 1, 2, 3. Et abandon tout doucement. Voilà, ça s'abandonne, ça se relâche, ça expire. Et ça continue à s'abandonner même après l'expire. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui viendrait? Pourquoi Marie-Odile? Alors, pourquoi Marie-Odile n'arrive pas à lâcher son passé? Ok, alors dans le passé, il y a quoi comme trauma en fait? Tu parles d'émotions fortes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ouais. À la naissance. Ouais, ça pleure. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Alors, elle a été anesthésie générale pendant la, ok, pendant l'accouchement, et eh ben, ouais. Et toi, t'es née en anesthésie générale alors, du coup. Ah, t'étais déjà engagée, ok. Ok, une respiration. 1, 2, 3. Bah, gratitude au Rebirth, hein. Merci à Groff et tous ses travaux. Et du coup, le bébé a été anesthésié, du coup. Et ouais. Ouais, ça pleure. Ouais, ça pleure. Alors, attends, laisse pleurer. Tu sens une émotion. 1, 2, 3. C'est vraiment un cycle aujourd'hui de la vie, quoi, parce qu'il y avait le bébé tout à l'heure et maintenant il y a de nouveau le bébé qui revient. C'est vraiment, il y a une suite dans nos émissions, alors que les gens ne se connaissent pas. C'est très particulier. Bah oui. Ouais, ça pleure, le bébé anesthésié. Du coup, ça a eu quoi comme conséquence alors que le bébé était anesthésié avec la maman? Non, mais ça, c'est l'histoire que tu l'as su tard, mais qu'est-ce que ça a fait? D'accord. Ah oui, donc je suis anesthésié le matin pour me lever. J'ai toujours été anesthésié tout au long de ma vie, en fait. Oh, il a sa pleure. Ah ouais, laisse pleurer, ouais. Alors, ouais. Laisse pleurer. Tu sens ou pas l'émotion? Est-ce que tu la sens? Bon, laisse pleurer. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Voilà, laisse. Il y a une énorme tristesse qui arrive là. Ne bouge plus le micro, ça fait du bruit. Laisse pleurer. Laisse vivre la tristesse. Il faut qu'elle parte. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laisse-toi envahir par cette tristesse, ça ne va pas durer très longtemps, mais il y a besoin qu'elle soit vécue. Je vais faire la lecture de l'inconscient, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de ressentir la tristesse, de comprendre très tardivement pourquoi tout ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, là, ça pleure, une inspiration. 1, 2, 3. Donc, je trouvais ça triste. D'avoir autant de conséquences suite à une anesthésie. Ah, voilà, explorer une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de réactiver mes premiers et deuxièmes chakras qui avaient été anesthésiés à la naissance.
J'avais besoin de comprendre que je peux tout changer et qu'il n'est pas trop tard. On va aller explorer. 1, 2, 3. Comment tu te sens là? Ok, laisse vivre pleinement la tristesse. Plus tu vas les laisser vivre, plus après bah, elle va partir parce qu'elle aura été vécue, quoi. Tiens. Et j'ai besoin de pardonner aussi au médecin. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, garde les yeux fermés. Dis avec moi. Je reviens maintenant. Laisse pleurer, on va laisser pleurer tranquillement, c'est trop tôt. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien, laisse pleurer tout, ça pleure, c'est parfait. Voilà, laisse vivre la tristesse. Et plus je laisse pleurer, plus je laisse la tristesse se vivre, et plus je vais pouvoir passer à autre chose après. Voilà, tranquillement, respire. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Grande inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Si ça pleure, bah, laisse pleurer et respire. C'est le seul truc à faire. Tu vois? Mais si tu as fait des rebirths, tu connais un peu. Hein. Ouais, ça pleure. Ouais. Alors, une respiration ensemble. Respiration profonde. 1, 2, 3. Et ça s'abandonne. Non, bye, ça se relâche. Voilà. Comment tu te sens là? Voilà, ça va à peu près. Alors, dis avec moi. Je reviens maintenant. Tu peux dire avec moi? Qu'est-ce que tu fais? T'es ailleurs? T'es parti où? T'es parti quelque part? Non, reviens avec moi. Pourquoi tu m'entends pas? C'est pas normal que tu m'entendes pas. Bah monte le son. Tu peux monter le volume? Bah normalement sur tous les écouteurs et tous les téléphones, tu peux monter le volume. Hein. T'es sur ordinateur ou sur téléphone? Oui, monte le son. Voilà. Ça va, c'est pas trop fort? Alors, on va faire un home d'amour dans le cœur. Une respiration. 1, 2, 3. Respiration. Un âme dans le premier chakra au niveau du périnée. Oh. De nouveau un âme dans le deuxième chakra. 1, 2, 3. Voilà, laisse tout se reposer. Dis avec moi, je reviens maintenant. Au moment de ma naissance, à ce bébé qui vient de naître, je t'aime. Je suis désolé.
Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laissez pleurer ici, ça pleure. Grande inspiration. 1, 2, 3. Alors dis avec moi, aux médecins qui sont là, aux infirmiers et aux infirmières, aux sages-femmes, je vous aime. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Une inspiration. 1, 2, 3. Ouais, laisse pleurer. 1, 2, 3. Ouais, laisse pleurer si ça pleure. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait l'anesthésie au moment de l'accouchement? N'y a aucune raison médicale? Ok. C'était une pratique? Ah bon? Ah, le même jour que 2 jours après toi, de la même manière avec anesthésie. Donc c'était une pratique du docteur pour être tranquille. Waouh, c'est terrible ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'était en quelle année ça que t'es né? En 1958. Et c'était quelle clinique? C'était quelle ville? À Nantes. Ok. Ok. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors vraiment, je te recommande, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Chakras, et dans le quatrième chapitre, il y a, donc le chapitre sur l'amour, et il y a tout ce qui concerne les fermetures du cœur, et il y a notamment tous les traumas qui ferment le cœur, et notamment tous les traumas de... qu'a décrit Grof, d'ailleurs, hein, puisque je suis un fan, tous les traumas qui se passent aussi pendant la naissance. Et c'est vrai que dans les sessions privées depuis 6 ans maintenant, il y a beaucoup, il y a une grande compréhension du moment de la naissance, c'est très important. Alors, je vais continuer à faire la lecture. Une respiration. 1, 2, 3. Et c'est Léonard Orr, O2R, peut-être que tu connais. Qui a écrit beaucoup là-dessus, puisque lui faisait que des rebirths, hein. Léonard Orr, O2R. Et ils sont un groupe, ils sont des millions, je crois. Il y a une grande technologie là-dessus sur régler les traumas de l'enfance au moment de la naissance. Léonard Orr, O2R, il a écrit plein de livres. Et il y a même un manuel très intéressant. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, donc je lis l'inconscient, ok? Puis je me connecte à ce qui s'est passé. Ouh, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de revivre en fait la panique du bébé,
l'incompréhension, pourquoi je perds connaissance, pourquoi je meurs, entre guillemets, alors que je suis en train de venir à la vie. Ouah, ça pleure. L'inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir les blocages des premiers chakras. Premier chakra. Ouais. Ouh, ça pleure. Comment tu te sens là, son premier chakra? Ouais, laisse pleurer. T'as bien fait de prendre une session, vraiment. C'est vraiment parfait. Hein. On va débloquer plein de choses. J'ai besoin de voir que une pulsion de mort s'est immiscée dans la pulsion de vie au moment de la naissance. Ouah, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Mais j'ai aussi besoin de voir que ce n'est pas par hasard. Que je suis capable de survivre à ça et de tout reprogrammer. J'avais besoin de comprendre l'inconscience du docteur à l'époque qui anesthésiait les parents et les enfants par confort, en fait. Voilà, ça pleure. 1, 2, 3. J'avais besoin vraiment de pardonner à ce docteur qui ne savait pas ce qu'il faisait. Hein, comme disait Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que des centaines de bébés, peut-être même des milliers, avaient subi ce traitement. Et pas que dans cette clinique-là, à Nantes, dans les années 60, mais qu'il y en avait plein. Et qu'avant, le monde médical n'était pas comme aujourd'hui. Ouais, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Du coup, ça fait des milliers d'enfants qui ont été anesthésiés à la naissance, quoi. Et après, il y a eu des études médicales, scientifiques, et ils ont vu que c'était pas bien. Mais ça leur a pris quand même des années. Ouais, laissez pleurer. 1, 2, 3. Et si nous lisons les livres de Leonard Orr et d'autres qui ont fait du rebirth, j'en ai parlé dans mon livre Les Chakras, c'est pour ça que si tu peux le lire, ça peut être bien. Il y a des techniques même maintenant pour naître dans l'eau ou naître en pleine conscience, de façon totalement éveillée, sans frapper sur les fesses du môme, quoi. Qui est aussi un choc et une violence, hein, d'ailleurs. Hein. Ouah, ça pleure, une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que même en 2023, c'est pas encore généralisé l'accouchement en conscience, dans l'eau, où le cordon ombilical est coupé doucement, enfin en France en tout cas. Mais il y a des pays dans le monde où il y a une grande conscience de ce moment spécial. Il y a des pratiques spirituelles d'éveil en conscience. Hein. J'ai plus en mémoire maintenant, mais j'en ai parlé dans le livre des chakras et Léonard Orr en a parlé en fait. Hein. Il y a des Alors, je ne sais pas si c'est Leonard Orr ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais il y a des techniques ici. Leonard Orr, il en a parlé dans un de ses livres. Il y a vraiment entre 2023 et 1960, c'est énorme, quoi. Il y a 80 ans d'écart, quoi. Une inspiration. 1, 2, 3. Et j'ai besoin de voir que. Et peut-être que aussi, je suis venu sur Terre pour témoigner de ça et de ce moment spécial et de partager pour faire changer les choses. Ouah, ça pleure. 1, 2, 3. Alors, comment tu te sens là avec tout ça? Y a de la tristesse. Ouais. Ouais. Rêve, cauchemar. Et donc du coup, c'est un peu la suite de la première session. Alors, je continue la lecture. Donc, depuis ma naissance, je me sens en insécurité dans cette vie. Je me sens aussi incomprise. Je me sens différente. Je me sens différente, comme si je me sentais pas normale, entre guillemets. Tu vois. Ah, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin absolument de me désidentifier de Marie-Odile. Tu fais un travail de désidentification de Marie-Odile ou pas? D'accord?
Ah, t'as vu, rencontré beaucoup d'éveillés, de satsang, génial. Ok. Et alors, t'as des techniques, t'arrives à sortir de Mario-Odile facilement? Non? Ah. T'es très dans Mario-Odile, ok. Ouais, ça pleure. Eh ben, tu peux venir demain, tous les dimanches à 15h. Il y a un atelier d'éveil et de transformation, c'est gratuit. Ça fait 5 ans quand même que ça dure. Hein. Depuis 5 ans, tous les dimanches, à 15h, voilà. Ouais, il suffit d'aller sur le portail anatman.tv. Je mettrai le lien dans le Zoom tout à l'heure. Et puis sinon, tu vas sur anatman.tv ou sur le site quiêtes-vous.com et puis tu vois les ateliers d'éveil et de transformation. Tu t'inscris et tu reçois un lien. Ok? Et là, donc c'est une technique pour sortir de Mario-Odile, pour sortir de l'identité de la personne. C'est une technique d'éveil en fait. Et plus je vais sortir de Mario-Odile, plus je vais voir que je suis la vie, je ne suis pas Mario-Odile, je suis la conscience, je ne suis pas Mario-Odile. Et que tout ça est arrivé à Mario-Odile, au corps de Mario-Odile, okay, mais que je peux me libérer de ça, de cette insécurité, de cette croyance, ce ressenti que la vie me veut du mal, que j'arrive et des gens veulent me tuer, tu vois. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de faire un gros travail d'éveil, de désidentification pour voir que c'est l'histoire de Mario-Odile, pour pouvoir accueillir l'histoire de Mario-Odile, tout en sachant que moi je suis la conscience, que je vis 8 milliards d'histoires, toutes plus bizarres les unes que les autres en vérité, toutes différentes, et que la voie de sortie, elle est là en fait, tu vois. Pour sortir de l'insécurité, puisque c'est un peu le thème aussi de la journée, eh ben, il me suffit de sortir de Mario-Odile, parce que c'est Mario-Odile qui se sent en insécurité. Ce n'est pas ce que je suis. Tu comprends? Comment tu te sens avec ça? Oui? Voilà. Ça. Je comprends. Alors laisse pleurer, une respiration. 1, 2, 3. C'est un thème qui est revenu toute la matinée, en fait, ici c'est le matin. C'est vraiment. En sortant de l'identité, je vais trouver. C'est vraiment la première session. Je te recommande de regarder toutes les sessions du jour d'ailleurs. En sortant de l'identité, je vais aller dans ce que je suis, c'est-à-dire dans l'être. Et ce que je suis, l'être, n'a pas d'insécurité. L'insécurité se situe dans la personne. En m'éveillant, en me désidentifiant du je, de l'ego, du moi, de la personne, j'arrive dans l'être, entre guillemets, parce que j'ai toujours été l'être en fait. J'enlève l'illusion d'avoir été une personne. Je crée un nouveau nom spirituel. Donc ça, c'est sur la chaîne anatman.tv. Il y a une méditation spéciale. Je me crée une identité. Okay? C'est là dans les 10 premières. C'est très important que tu te crées une nouvelle identité. Ça va favoriser la désidentification et commencer à parler à Marie-Odile, à la troisième personne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Marie-Odile. Mais si je dis je à la place de Marie-Odile, tout mon inconscient, tout mon cerveau se dit, ah mais je suis Mario-Odile. Tu comprends comment ça marche? Mais qu'est-ce que je suis? Je suis la conscience. Et j'ai cette option, donc avec la technologie là dont je parle, de créer une nouvelle identité et de parler de Mario-Odile à la troisième personne. Les psychologues américains ont découvert que ça faisait du bien, mais ils n'ont pas compris pourquoi. Mais je vous dis pourquoi. Mais parce que quand vous dites je à la place de Mario-Odile, qu'est-ce qui se passe? Je deviens littéralement Marie-Odile. Je suis Marie-Odile. Je ne vois pas qui je pourrais être d'autre. T'es d'accord? Mes parents m'ont appelé comme ça. J'ai ma carte d'identité, mon passeport, mon compte bancaire. Mais chez le notaire, c'est Marie-Odile. C'est toujours Marie-Odile. Donc là, il y a un dingue qui parle d'éveil et qui dit sors de Marie-Odile. Et si tu arrives à le faire, et il y a la technique avec les méditations du dimanche qui le permettent, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. En plus, c'est gratuit. Si avec le temps j'y arrive, et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, Sébastien il a très bien réussi, plein d'autres, hein. Ah, ça va mieux, ça pleure tout ce qui a pleuré, ça vide la tristesse, ça n'est pas dans le déni de l'expérience et de ce qui s'est passé, pas du tout. Ça ne fuit pas, au contraire, puisque tout ton chemin d'éveil t'a amené vers ce jour précis, ce moment. Hein. C'est très important pour toi, pour ta vie, enfin pour Marie-Odile. Et du coup, ah mais je sors de Marie-Odile. Je me crée une nouvelle identité. Je vais m'appeler. Quel nom que tu voudrais avoir? T'as un nom qui te vient, qui te serait bien? T'as un nom spirituel peut-être, t'as déjà sur un chemin.
Ou ton chaman, t'as déjà donné un nom, ou ton yogi, ou je sais pas qui, non? Donc, si tu peux faire la méditation, ça serait génial. Là, tu recevras un nom pendant la méditation de l'intérieur, ok? C'est mieux que vous recevez votre nom de l'intérieur, hein, plutôt que quelqu'un vous donne. Parce que ton nom, c'est papa qui te l'a donné, ok? Papa, maman. Donc, du coup, tu leur appartiens, hein, psychologiquement. Tu t'appelles Marie-Odile Machin. Mais machin, c'est le nom de ta famille. Tu leur appartiens, tu appartiens à ta famille. C'est pour ça que je vous recommande de créer un nouveau nom qui vient de nulle part, qui n'appartient à personne d'autre qu'à vous-même, qu'à l'être en vous. Et ça va tout changer. Tu comprends? Ça sera plus Marie-Odile et son histoire. Ça sera un nouveau moi qui n'a pas le problème avec le premier chakra. Alors, j'avais besoin de voir donc qu'est-ce que ça a créé? Ben, ça a créé donc une peur de la vie, une peur de vivre. Un rejet de la jouissance dans le deuxième chakra aussi, tu vois. Ça a créé beaucoup de problèmes puisque la vie, elle commence par le 1, en fait, tu vois. Ouais, ça pleure. Et l'inspiration. 1, 2, 3. Tu vois, la Kundalini, elle s'éveille, elle commence par le 1. Elle arrive dans le 1. Mais là, ça a anesthésié le 1 dès le départ. Donc, ça a eu des conséquences physiologiques. La Kundalini, du coup. Et du coup, ça a empêché la vie d'être la vie. Ça a empêché l'énergie de vie, la vitalité. Et du coup, il n'y a pas le jus de la vie qui est passé dans le 2 pour la jouissance. Et du coup, ça passe pas non plus dans le 3 pour l'action. Et donc après, bah, c'est du mal à arriver dans le 4 pour l'amour. Tu vois le problème? Ça a créé comme une diminution du tuyau dans le 1, en fait, à cause de l'anesthésie, quoi. Tu vois? Puisque un bébé, c'est une énergie de vie. Et donc, médicalement, ils ont mis une énergie de mort, en fait, là où il y avait de la vie, quoi. Alors, c'est relié à la vie d'avant, aux vies précédentes. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, t'as été voir les vies parallèles ou pas? Ouais, ça serait bien d'aller voir les personnes qui vont dans les vies parallèles ou les vies antérieures, tout ça, parce qu'il y a des. C'est relié. En fait, c'est comme si cette vie-là, c'est la suite de l'autre vie. C'est vraiment rare et pas courant et très spécial et pas par hasard. Si quand t'arrives, on t'anesthésie. Hein. Tu vois, c'est vraiment. C'est une résurgence de la vie d'à côté. Hein. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Enfin, bref. C'est pas forcément. Oui, y a plein de thérapeutes qui vont dans les vies parallèles. Hein, c'est pas. Alors, une respiration. 1, 2, 3. En fait, c'est comme si j'étais mort plusieurs fois dans la vie parallèle. C'est bizarre, en fait. En fait, c'est une résurrection. Enfin, ça vient de la vie parallèle qui s'est installée dans cette vie-là. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors, on va dire des mantras. Une respiration. 1, 2, 3. Dis avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes autres vies. À toutes celles et ceux qui m'ont anesthésié. Ah, c'est une mort par anesthésie dans l'autre vie. Voilà. Ah, ça pleure. Ah, laisse pleurer. 1, 2, 3. Ah, bah, le monde médical, il y a un truc à faire. Hein. Ouf. Comment tu te sens? Tu sens que ça pleure là? Il y a un gros pic. Allô? T'as pas senti? Ok, c'est pas grave. Une respiration. Ah, t'as pas entendu? C'est marrant. C'est marrant que t'aies pas entendu. En fait, dans une autre vie. Tu reçois une anesthésie et tu meurs à cause de l'anesthésie. Ouais, ça pleure. Ressens, laisse faire. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. C'est incroyable cette histoire. C'est la première fois que je vois ça. C'est dans le monde relativement moderne, hein, l'autre mort, tu vois, il n'y a pas si longtemps. Il y avait des anesthésies à cause d'une opération et puis c'est mort. Waouh! Et du coup, c'est la continuité de l'anesthésie de l'autre opération. C'est un truc de ouf. Wow, une respiration. 1, 2, 3. C'est dingue quand même ce truc. Comment tu te sens là avec ça?
Ouais, laisse pleurer, tu vois. Ça fait une grosse émotion, c'est normal. Mais il y a besoin de vivre l'émotion pour que ça s'en aille, ok? Voilà. C'est pas grave, hein. C'est fait, de toute façon, c'est fait, c'est comme ça, c'est la vie d'à côté. Je vais à l'hôpital et puis il m'anesthésie à cause d'un accident. Voilà, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et puis je suis allergique à l'anesthésie. Voilà. Ouf. Une inspiration. 1, 2, 3. Du coup, ça crée un choc. Et puis voilà. Et puis ben, y a, ça crée comme un résidu, tu vois, dans ce qui s'appelle l'âme ou le. Mais c'est pas grave. Je reviens quand même sur Terre et je vais régler ça, en fait. C'est pour ça que tu es revenu aussi sur Terre dans cette vie-là. C'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour régler ça, quoi. Tu vois? Comment on sait quand le premier chakra est bloqué, quoi? Voilà, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Comment c'est là chez toi? Ouais. T'as senti le pic émotionnel ou pas? Il y a eu un gros pic émotionnel au moment où il y a eu l'info, non? 1, ouais, au moment où il y a eu l'info que je suis morte dans la vie d'à côté par anesthésie. Voilà, là, ça a eu, ça a explosé au niveau émotionnel. Si ça explose au niveau émotionnel, c'est parce que c'est vrai, c'est parce qu'il y a cette réalisation, ce rappel, ah oui, c'est vrai. Si c'était faux, ça ferait rien, hein, je te le dis, t'inquiète pas. Mais là, bon, ouais, je commence à avoir un peu d'expérience. Et une respiration. 1, 2, 3. Du coup, c'est OK de voir ça. Comme ça, au moins, tu sais pourquoi. Hein? Tu as toute l'histoire. D'accord? Et du coup, ton Marie-Odile, elle va pouvoir vivre avec ça. Et puis, tu vas pouvoir commencer à te désidentifier de Marie-Odile. Parce que c'est juste une histoire, en fait. D'accord? Mais au moins, pour Marie-Odile, c'est important de savoir. OK? Donc, comme ça, elle sait. Tu vois? C'est important pour la construction de Marie-Odile. Pourquoi? Hein? Toute sa vie, elle a voulu savoir pourquoi. Ben maintenant, elle sait pourquoi. L'univers, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de vies parallèles. Les vies sont reliées. Les traumas résonnent entre les différentes vies. Et pas que les traumas, les histoires d'amour aussi. Hein? Tu vois? C'est vraiment comme plusieurs échiquiers les uns au-dessus des autres. Chaque échiquier, c'est une vie. Tu vois? Je bouge une pièce dans une vie, ça bouge toutes les autres vies. Et vraiment, je vous recommande le film Cloud Atlas. En français, c'est l'Atlas dans les nuages, mais si vous pouvez le voir en anglais, c'est quand même mieux, ou au moins sous-titré. C'est vraiment six vies en même temps où toutes les vies sont reliées. Et c'est les gens qui ont fait Matrix, hein, qui ont fait ça. Et aussi qui ont fait Sense8 et plein de trucs fantastiques. Du coup, c'est des gens super éveillés. Hein, et du coup, waouh, quand je commence à comprendre l'aspect multidimensionnel du monde. Et si vous lisez par exemple les livres des clairvoyants, comme. Un homme debout de Franck Lobvet ou de Christophe Alain, Journal d'éveil d'un troisième œil, il a fait trois tomes. Et puis aussi, ben, y a tous mes livres, là, moi j'ai fait une douzaine de livres. Du coup, quand vous lisez les livres des clairvoyants, vous voyez, tiens, ils disent tous la même chose, c'est quand même bizarre, ils ne se connaissent pas. Et c'est parce qu'en fait, les clairvoyants voient tous la même chose, parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, en fait. Et puis il n'y a pas que les clairvoyants, il y a tous les clairvoyants, tous les médiums, quoi. Donc ça fait du monde. Et quand vous allez vers la spiritualité, que vous commencez à voir, ah, mais c'est plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous ont mis à l'école, évidemment. Ah, eh ben, nous pouvons commencer à expliquer plein de choses qui sont évidemment inexplicables par ceux qui restent dans dans l'obscurité, quoi. Ça s'appelle comme ça, hein, l'obscurité. Une inspiration. 1, 2, 3. Et plus je vais vers la lumière, plus je vais vers l'éveil, vers la conscience, c'est pour ça que tu as été amené vers les êtres désidentifiés de leur identité, hein, vers la conscience. Ce que tu dis, les êtres éveillés. En fait, tout le monde est éveillé, hein, mais ceux qui ont réalisé ça dans cette vie, que je ne suis pas la personne, hein, pour donner une définition de l'éveil, eh ben, ah, je commence à comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas Marie-Odile, je suis la vie, je suis la conscience, je suis toute l'humanité, et l'humanité est dans l'obscurité sur beaucoup d'aspects. Tu vois? Et c'est mieux en 2023 qu'en l'an 1000, hein, je ne dis pas. Mais il reste encore beaucoup à voir. Hein. Et là, dans ces émissions, grâce aux clairvoyants médiums et à tous ceux qui s'éveillent, il y a ces partages de ah non, mais et si je passais en 5D, si je sortais de la matrice et de l'identité, j'aurais une vision beaucoup plus réelle et vraie
de cette réalité, de la vraie réalité, entre guillemets, si je puis dire. Là, c'est le langage qui ne marche plus. Tu vois? Passer dans la réalité et comprendre que si je m'identifie à la personne, je ne suis pas dans la réalité. Je suis dans l'illusion d'être une personne, de toute façon. Tu vois? Et c'est ça tout ton chemin, quoi. Mais l'urge. Alors, il y a du bruit là, si tu peux ne pas bouger, c'est du bruit dans le micro. Si tu peux. Alors, l'urgence, c'est quoi? C'est de créer une nouvelle identité. Donc, ça, c'est les nouvelles méthodes thérapeutiques que j'ai découvertes depuis quelques années. Hein. C'est radical, mais ça marche très bien. Je change d'identité avec cette méditation qui est dans la chaîne anatman.tv, qui dure 4 heures. Une fois que j'ai changé d'identité, je me crée un nouvel email, un nouveau Facebook, un nouveau tout. Et à mes amis spirituels, maintenant, ils m'appellent Trucmuche à la place de Marie-Odile. Okay? Trucmuche, tu mettras ce que tu veux à la place. Hein. Et là, dans mon inconscient, dans tout mon système psychique, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je ne suis pas Marie-Odile, c'est la fête. Je peux vivre, je peux jouir de la vie, je suis vivante. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute ta vie va changer et toutes tes cellules vont changer. Alors, je te recommanderais aussi de lire l'histoire de Anita Morjani. Je ne sais pas si tu connais. Elle a eu un cancer, elle est tombée dans le coma, elle a failli mourir. En fait, elle est morte, elle est revenue. Et quand elle est revenue, c'est plus Anita qui est revenue. C'est une autre identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Résultat des courses, le cancer s'en va en 4 semaines. Mais un vrai cancer en phase terminale, dans un hôpital moderne occidental de, je ne sais plus si c'est Singapour ou un truc comme ça, ou Taïwan. Mais donc et les médecins, ils n'ont rien compris. Ils se disent, mais c'est pas possible techniquement. Et c'est possible si vous comprenez que le cancer, il est relié à l'identité. Ça, j'en parle souvent dans le dialogue avec l'être. Donc, il y a des livres, des personnes qui ont plusieurs identités à l'intérieur d'eux que vous pouvez lire. Ça s'appelle les multiples personnalités. Hein. C'est très intéressant à étudier. Et là, vous voyez, par exemple, une personnalité a le diabète. Puis quand ça switch sur une autre, il n'y a plus le diabète. C'est pas possible techniquement, normalement. T'as le diabète ou t'as pas le diabète, hein. C'est quoi cette histoire? Et c'est pareil sur plein de maladies. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un lien entre l'identité et la maladie. D'accord? Donc, là, toi, tu n'as pas de maladie, mais il y a le premier chakra de Marie-Odile. Ouais, bah ça, c'est pas étonnant, mais ça risque de partir avec. Tu vois? Enfin, ça risque. J'espère, nous espérons que les maladies vont partir avec, tu vois? Ouais, ça pleure. Donc là, c'est la culpabilité qui vient. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, dis avec moi. À Marie-Odile, je t'aime. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu es innocente. Non, tu es innocente. Toi, l'être, tu parles à Marie-Odile. Tu vois, c'est ça la confusion identitaire. Tu es innocente, Marie-Odile. Tu n'as rien fait de mal. Nous effaçons maintenant toute culpabilité dans Marie-Odile. Une respiration. 1, 2, 3. Ouais, ça pleure, tu sens, il y a une émotion. En fait, les maladies viennent de la culpabilité. C'est ce que j'ai vu au fur et à mesure. Ça te parle ou pas, la culpabilité? Ouais, énormément, hein. Ouais. Donc, à l'intérieur, si je lis la structure de Marie-Odile, Marie-Odile dit je me sentais coupable d'être différente, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir être comme les autres toute ma vie. J'ai cru que c'était de ma faute si j'étais ce que je suis. Waouh, ça pleure, m'espérer. Et c'est ça qui a créé après le cancer. Une respiration. 1, 2, 3. T'as de quoi écrire un livre, ma chérie, hein? Avec toutes les réalisations là. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Ça serait bien d'écrire un livre avec tout ce que tu as compris. Hein. Ça aiderait beaucoup de personnes, tu vois. Ouah, sur les mécanismes, qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance, la culpabilité, le cancer, le truc, tu vois. C'est riche en enseignements. Ouah, laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de me libérer de la culpabilité. J'avais besoin de voir que ça n'a rien à voir avec moi. Alors dis avec moi, je ne suis pas coupable.
Des erreurs médicales. Je suis innocente. Je demande à vivre. Je décide de vivre. J'élimine toute culpabilité de mon système. Oh, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laisse pleurer tranquillement. C'est un grand moment, c'est important. Ça va aider vraiment beaucoup à la guérison. Une respiration. 1, 2, 3. Oh. C'est très important de reconnaître ton innocence, que tu n'es pas responsable des erreurs médicales, que tu vois la source de toutes les difficultés de toute une vie. Parce que les années 60, ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Ça fait 60 ans. Une respiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Voilà, laisse pleurer. Tu vois, les réalisations, elles sont intenses. Ça sera important de regarder cette session 21 jours, de laisser pleurer à chaque fois jusqu'à ce que ça pleure plus. Et là, il y aura une paix, une invincibilité même. Et ça va vraiment aider à libérer toute maladie et tout ça, et surtout toute culpabilité, tu vois. Tout ça, c'est relié. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien, hein, notre session. Wow. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laisse pleurer. Si je comprends que je suis innocente dès le départ, que j'étais un bébé innocent, que j'ai juste subi une erreur médicale, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas, et des erreurs médicales, il y avait des millions, hein. Et même encore aujourd'hui, ils ne savent pas tout, hein. Donc, waouh. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tests avant les anesthésies, enfin dans la vie où tu es morte en tout cas. Mais où... Ouais, tu vois. Et avant, il n'y avait pas cette réalisation qu'il y a des vies parallèles non plus, tu vois. Enfin, on est très en avance dans ce qu'on fait là. Mais si je comprends tout ça, wow, je peux guérir, je peux. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, je peux me faire du bien, me guérir de la culpabilité, tout enlever, tu vois. Et faire comme Anita Morjani. C'est très important que tu passes beaucoup de temps avec elle, hein. Tous ceux qui ont un cancer doivent passer du temps avec Anita Morjani, c'est évident. Tu vois? Pour faire naître amour, compréhension à l'intérieur. Ouh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Tu vois, si j'étais toi, je regarderais toutes les vidéos d'Anita Morjani, je lirais tous ses bouquins, je la rencontrerais même, et puis j'irais à fond dans cette désidentification et dans l'amour pour changer de personnage, quoi. Tu vois? Changer d'histoire, faire un switch complet de OK, bon, bah, il y a Marie-Odile, mais je passe à autre chose. Je passe à une nouvelle identité qui n'est pas malade, qui peut vivre, qui décide de vivre. C'est pour ça qu'on est là ensemble, ma chérie. Tu vois? C'est l'amour qui décide de vivre. Et l'amour, c'est ce que tu es. Ouah, ça pleure. C'est costaud la troisième session aujourd'hui, hein? Ouf. 1, 2, 3. Wow, c'est beau en même temps, tu vois. Y a toute une guidance pour arriver jusque-là. Hein. Ouais, laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà. Bah, finalement, j'aurais peut-être dû enregistrer. Bah, je ne peux pas enregistrer la voix de toute façon. Mais la prochaine fois, j'enregistrerai les sessions avec musique. Une respiration. 1, 2, 3. Donc c'est un moment spécial pour tous celles et ceux qui sont sur Zoom et qui vivent l'émotion et ce qui se passe là, qui est énorme en fait, avec musique. Une respiration. 1, 2, 3. Bah, tu vois, comme ça, on a la cause de tout en fait. La cause du cancer, la cause de la culpabilité, la cause du manque de vie. Tu vois, tu comprends pourquoi tout a été dur en fait? Ben oui. Mais là, ce qui est possible, c'est un changement complet en fait. Comme si tu allais ben, passer à une nouvelle personne qui repart de zéro.
C'est vraiment le phénix, quoi. Et la conscience que tu es va pouvoir accueillir Marie-Odile, faire des câlins à Marie-Odile, être tendre et douce avec Marie-Odile. Et en même temps, ça n'empêche pas de créer une nouvelle identité. Tu vois, pour que le corps s'habitue en 9 mois. Le corps se régénère en 9 mois, hein, je ne sais pas si tu sais. Toutes les cellules se refont, comme un bébé d'ailleurs, 9 mois. Et pour que, en refaisant toutes les cellules, tu refasses les cellules, non plus avec l'ancienne identité qui a la culpabilité puis qui est malade, mais avec la nouvelle identité. Et là, ça va vraiment favoriser toutes les formes de guérison. Tu vois? Tu vois la technique? Oui, bah, tu as tout le support. Tu as Anita Morjani, tu as la chaîne, tu as tout. Hein. Il suffit de faire les méditations du dimanche, d'écouter Dialogue avec l'être, de regarder les vidéos d'Anita Morjani et de continuer à écouter ta guidance. C'est ta guidance qui t'a amené là. Hein. Tu vois? En plus, tu me connais depuis combien de temps, toi, tu m'as dit? Plusieurs années, et c'est seulement maintenant, tu te rends compte? Plus de 3 ans, et c'est seulement maintenant qu'on fait une session. C'est ouf. Ça, j'aurais pu te le dire il y a 3 ans. Hein. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, Sébastien, il faisait déjà des choses comme ça. C'était même, il y a 3 ans, il y avait même beaucoup de retours au moment de la naissance. D'ailleurs, il y a plein de méditations sur la chaîne. Pas la saison 3 là, ou 4 où nous sommes, mais les saisons 1 et 2. Il y avait beaucoup de. Quasiment tous les week-ends, on retournait à la naissance. C'est sur la chaîne, hein. Il y a 2000 vidéos YouTube. Alors, je ne sais plus où c'est, sur la chaîne, mais c'est les premières méditations du dimanche. Et là, elles sont en entière, hein, sur la chaîne. C'est les saisons 1 et 2. Ouais. Ouais, parce que le début du travail de clairvoyance pour Sébastien, c'était aller à la naissance, aller à la naissance, aller à la naissance. Pendant 2 ans. Parce que c'est là où tout se joue, en fait. Tu vois? Les personnes qui ont le. Comment dire? Le cordon ombilical qui les étouffe, oh, ça j'en ai eu plein, ou il y a un accident médical et la personne a failli mourir, ou la personne va en couveuse. Ben, tout ça a été vu très précisément et ça crée des gros traumas. Et c'est pour ça qu'après, mais tout est mis dans le livre Les Chakras. C'est pour ça, c'est une belle référence bibliographique. Tu achètes le livre Les Chakras, tu lis le quatrième chapitre, tu vois, tout est écrit, tous les traumas. Et c'est Léonard Orr, je répète pour ceux que ça intéresse, O2R, Léonard, qui avait une communauté de millions de personnes, qui c'est la même, qui ils ont fait du rebirth, c'est comme Groff, hein, c'est pareil. Et waouh, et eux ils ont découvert tout ça grâce au rebirth. Tiens, rebirth c'est la même chose que ce qu'on fait le dimanche ou que ce qu'on fait en stage pour ceux qui viennent en juillet août en stage, mais à distance et c'est plus soft quand même que le rebirth parce que le rebirth doit être accompagné. Tu vois. Donc nous, c'est quand même plus cool. Par contre, en stage, des fois, il y a des personnes qui vivent leur naissance. Hein. Souvent, c'est arrivé d'ailleurs. Et souvent, il y a 3-4 éveils de Kundalini par semaine. C'est très intense. Hein. C'est plus fort, les stages. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus fort. Parce que bah, on va à la racine du problème, tu vois. Encore plus, quoi. Mais là, déjà, c'est bien hein, à distance qu'on fait. Hein. Ouais, ça pleure encore. Une respiration. 1, 2, 3. Mais il y a juste à faire la méditation du dimanche, bien écouter Anita Morjani, puis ça a été traduit, et puis te laisser porter par ta guidance et continuer à t'éveiller, à te désidentifier de Marie-Odile. Tu vois, c'est juste ça. Hein. Mais là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, tu as toutes les cartes, tu vois. Tu vois, là, tu vois, tu as toute la clarté de tout, quoi. Il n'y a plus d'inconnu ici. Qu'est-ce qui te reste comme question là? Alors, il y a la colère et la haine à l'intérieur de Marie-Odile. Oui, c'est normal avec tout ce qui t'est arrivé. Et une respiration. 1, 2, 3. Donc ça, c'est plutôt en stage. En stage, il y a une forêt, on a des bouts de bois. Et les personnes qui vont en stage tapent avec les bouts de bois sur d'autres bouts de bois sans se faire mal. Et puis, il y a une exorcisation, une externalisation de la colère. Donc ça ne peut pas se faire là maintenant. Mais. Ou alors en attendant, peut-être chez toi, tu peux crier dans un coussin ou dans une voiture, tu vois. Mais depuis le ventre, pour pas te faire mal à la gorge, mais pour vivre, c'est vive la colère. Alors dis avec moi, pas sur des gens, hein, mais toute seule, renvoyer la colère à Gaïa, c'est ça qu'on fait. C'est le côté un peu chamanique, tu vois. Parce que renvoyer la colère à la terre, c'est comme ça que la colère va partir de Marie-Odile. Le problème, c'est que ça aussi, ça crée des cancers, la colère. Hein. C'est les...
C'est toutes ces énergies stockées de colère et de culpabilité, tout ça, comme cocotte minute, mais s'il n'y a pas la soupape pour faire sortir, ça explose en fait. Tu vois, et ça crée des maladies. Donc là, l'idée, ça serait de, en attendant les stages, ou je ne sais pas ce que tu as envie de faire, ça serait d'aller en forêt, de crier, et de taper sur des arbres morts, par exemple, tu vois, sans te faire mal, mais de vivre pleinement la colère. Ou d'aller dans un centre et de faire de la boxe, tu vois, un truc comme ça. Mais il y a vraiment besoin que ça sorte. Tu vois? Mais si tu fais pas sortir la colère, elle va rester vita aeternam jusqu'à la mort. Ce qui n'est pas une affaire. Hein. Il n'y a que toi qui peux la sortir. Tu vois? Elle va pas sortir toute seule, la colère. Elle va sortir si tu t'autorises à la vivre. Alors dis avec moi, on va dire des mantras. Une respiration. 1, 2, 3. Dis avec moi. Je m'autorise à vivre la colère. Je m'autorise à vivre la rage. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vivre la colère. En fait, alors je vais faire la lecture et juste écouter. J'avais besoin de voir que la colère est quelque chose de très naturel. Et que j'ai besoin de la laisser s'exprimer. C'est parce que je l'ai retenue en moi que ça a créé des maladies. Tu vois comment ça marche techniquement? Si je garde en moi le stress, la colère, le je ne sais quoi, la tristesse, c'est ça qui rend les gens malades, hein. C'est important que tout le monde le sache. Alors évidemment, il y a des bactéries, des virus aussi qui rendent les gens malades, hein. Il n'y a pas que ça. Mais c'est une grande partie qui diminue le système immunitaire. Ça a été d'ailleurs découvert, ça, hein, scientifiquement, et qui fait qu'après, il y a des stress et des trucs qui créent des maladies. Tu vois. En plus des virus et des bactéries qui aussi créent des maladies. Mais ça crée un terrain, si tu veux, favorable à tout un tas de mécanismes. Tu vois le problème? Et alors, comment ne pas être malade? Comment bien vivre? Eh bien, en vivant toutes les émotions, incluant la colère, la tristesse, le dégoût, toutes sans exception. Parce que la société nous a mis dans la tête, sans nous demander bien sûr, nous a mis dans la tête, ah non, t'as pas le droit d'être en colère, ça commence dans l'enfance. Le môme, il commence à piquer sa colère, les parents, ils sont pas contents. Hein. Non, non, tu dois garder ta colère en toi, comme ça tu seras malade plus tard. Ah d'accord. Et le môme, il sait bien que s'il est en colère, il y a une raison. Tu vois? Mais non, les mômes, ils vont être castrés, ils n'ont pas le droit d'être en colère. Ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Et donc ça s'appelle la castration. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Oh. Ça reste à l'intérieur. Donc, Marie-Odile avait appris à tout garder à l'intérieur. Tu vois le problème? Hein? Ça te parle? T'es d'accord? Tu vois comment ça a été construit la maladie, les problèmes de santé et tout? Marie-Odile avait appris. C'était pas naturel, ça a été appris. Un peu comme l'impuissance apprise d'ailleurs. Ça a été appris à être comme ça, à garder à l'intérieur, à pas parler, à pas dire, à pas faire de bruit, à pas exister, à pas être dans la jouissance de la vie, tu vois? Et donc c'est une castration générale en plus du problème de l'anesthésie, quoi, tu vois? Tu vois? Donc c'est et du coup bah c'est pour ça que le chemin de vie a été très difficile. Mais maintenant c'est la fin, c'est pour ça qu'on est ensemble. C'est OK, j'ai compris ce qui s'est passé. Voilà, ça pleure. Une respiration, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà. Comment tu te sens? Oui, c'est fort. Hein. Il y a beaucoup. Ouais. Laisse vivre la tristesse. T'inquiète pas, ça va pas rester toute ta vie. Hein. Ça va peut-être durer quelques jours. Voilà, une semaine max, mais vis-la pleinement. Il y a beaucoup de gens qui sont éveillés avec la tristesse, hein, comme Jeff Foster, par exemple, ou Eckhart Tolle qui était dépressif, tu vois. Mais il y a plein d'éveillés qui s'éveillent parce qu'ils vont au fond de leur tristesse. Donc si vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir être triste parce que vous avez des vraies raisons, hein, allez-y à fond. À fond. À fond. La colère, enfin, la tristesse va amener vers la dissolution du jeu. Comme tomber amoureuse, d'ailleurs. C'est aussi une autre voie. Mais c'est pas la même voie, mais tu vois? La voie qui amène à l'éveil, c'est celle d'aller à fond, en fait.
Vous pouvez aussi aller à fond dans la musique, hein, ou dans la science, ou dans le domaine médical, ou n'importe quoi. Quoi que vous choisissiez, toutes les voies mènent à Rome au même endroit, c'est-à-dire, donc non pas à Rome ou au Vatican, bien sûr, mais dans l'être. Dans l'être. Toutes les voies mènent dans l'être. Mais, il y a quand même un mais, seulement si vous y allez à fond. Ah bah oui, si vous faites les choses à moitié, vous irez nulle part de toute façon, quelle que soit la voie. Ah bah oui. Bah parce que la vie, c'est d'y aller à fond. Alors je dis pas aller à fond dans l'excès, hein. Je dis aller à fond. Vous pouvez aller à fond dans l'équilibre. Tu vois? Si tu vas à fond dans la musique, tu vas faire comme Jean-Sébastien Bach, Mozart, Beethoven, tu vas canaliser le divin. Et tu vas t'éveiller. Mais tu peux aussi bien aller à fond dans, je sais pas moi, en faisant du ski, de la natation. Du yoga ou des méditations. Tiens, la méditation, c'est pas à fond dans la méditation. Ça, je vous garantis la disparition du jeu. Hein. C'est ce que Sébastien fait. Il va toujours à fond dans tout lui. Il a été à fond dans l'éveil. Et résultat, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de Sébastien. C'est aller à fond. Tu comprends? Mais s'il avait été à moitié, bah, il n'aurait pas eu ça. Après la réalisation du soin en 2011, 2010. 2010, 2011. Plutôt 2011, 14 avril. Après la réalisation du soin en 2011, il a continué pendant 10 ans à faire des méditations, alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison de continuer à faire des méditations une fois que tu as réalisé le soi, quoi. Eh ben non, il y a la réalisation du non-soi après. Tu te rends compte? Tu vois, quand je dis d'aller à fond, là, va à fond dans la tristesse, dans ce qui est là, dans l'abandon à la vie, dans l'accueil de la vie. Et là, je dis pour tout le groupe, tous ceux qui m'entendent et toutes celles qui m'entendent, allez à fond dans l'amour. Vous allez dissoudre l'ego, le je, le moi, la personne. Allez à fond dans ce que la vie vous offre en cadeau. Et des fois, c'est très dur, hein, mais c'est facile à dire. Je sais bien que c'est facile à dire. Mais il faut quand même que quelqu'un le dise. Après, vous ferez ce que vous pourrez. Mais tu vois au moins comment ça marche. J'ai pas dit que ça serait facile, attention. Je recommande d'aller à fond. Je vous ai pas dit que ça serait facile. Ça serait pas facile, de toute façon, je peux vous le dire. En général, c'est pas facile, quoi. Mais je peux vous dire que plus vous le faites, plus ça devient facile. Enfin, moins dur en tout cas. Tu comprends? Ouais, ça pleure. Et si Anita Morjani a réussi, tous les êtres humains peuvent réussir. Et c'est pas rien, quand même, ce que je vous dis, hein. C'est pas rien du tout. Ouais, ça pleure. Dans tout le groupe, là, ça pleure. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Si Anita Morjani, un être humain comme vous et moi, a réussi, ok, à transcender un état terminal de phase de cancer, parce qu'elle est sortie de son identité, eh bien vous pouvez aussi. Et je vous recommande de ne pas aller jusqu'à la phase terminale et de commencer tout de suite dès demain, 15 h. Voilà, c'est gratuit, hein, ça permet de se désidentifier. Il y a 2000 vidéos aussi sur YouTube qui sont gratuites, hein, quand même. Donc essayez, et puis vous verrez. Mais n'attendez pas 3 ans. Tu vois? Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de systèmes d'auto-sabotage qui ont fait que tu as attendu 3 ans pour faire une session. Hein. Tu te rends compte quand même, 3 ans pour faire une session. C'est ouf, mais il y en a qui font jamais leur session. Hein. Donc tu as réussi quand même. Vous pouvez passer dans dialogue avec l'aide, c'est gratuit, vous testez un peu ce que ça donne, et puis après, n'hésitez pas. Hein. Un jour, il n'y aura plus de Sébastien, on ne pourra plus faire de session. Vous prendrez quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas, il y a d'autres clairvoyants. Mais là, il y a quand même des techniques, profitez-en, quoi. Et c'est vrai que profitez des stages qui sont là cet été ou. Ben oui, Sébastien, il prend l'avion. Hein. Des fois, les avions s'écrasent, hein, je vous le dis. Profitez-en, dépêchez-vous. Ça le fait rire. Donc, bon, tout est parfait. Hein. Si l'avion s'écrase, c'est parfait aussi. Mais tout ça, il y a quand même un enseignement là, derrière tout ça, c'est profiter des opportunités pour faire votre travail, vous éveiller, vous désidentifier, venez le dimanche. Tout n'est pas payant non plus. 80% des trucs, c'est gratuit. Donc vous n'avez plus d'excuses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 5 ans que c'est gratuit, l'imitation du dimanche. Donc, puis ça va continuer. Hein. Donc, tu vois, c'est pas. Il n'y a pas d'excuses pour se libérer, en fait. Tu vois? Bah. Et vous pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps de vous libérer, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que de vous libérer, franchement? Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore la conscience que c'est le truc le plus important de se libérer du jeu. La vidéo d'Adyashanti, là, que j'ai traduite il n'y a pas longtemps, regarde-la. C'est Adyashanti, le non-soi. Elle est traduite en français.
une vidéo qui a été très dure à traduire, qui fait 7 minutes, mais quand même. Enfin, après, il y a l'histoire de Sébastien, mais il explique que l'éveil, c'est se libérer de quoi? Mais du je, du moi, de l'identité. C'est ça, là. Et c'est Bouddha, puisque c'est un moine zen, et, enfin, c'est un moine zen, Adyashanti. Tu vois. Enfin, je sais pas s'il est moine, mais il est zen. C'est la lignée des zen, des bouddhistes zen. Et c'est Bouddha, c'est le non-soi. C'est pour ça que ça s'appelle Anatman. Atman, c'est le soi. An, c'est le non-soi. Et quand vous allez dans le non-soi, vous sortez de l'identité, de la matrice et de toutes les maladies. Voilà. Alors, ça vaut la peine quand même. Moi, je dis ça pour ceux et celles qui souffrent. Hein. Mais si vous êtes malin, vous allez le faire avant de souffrir. Mais oui, le yoga, c'est pas pour des prunes. C'est pour qu'il y ait une fluidité dans le corps, pour que vous retourniez dans le corps. Il n'y a aucune maladie par hasard. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que de l'ignorance qui crée des comportements ou des actions qui vont créer après les problèmes. Tu vois? Et l'inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Ouais, ça pleure ici. Chez moi, ça pleure. Je suis connecté à la vie, en fait, où ça meurt d'anesthésie. Donc visiblement, c'est la guerre. Ouais. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. T'es né en 1960 à peu près, c'est ça? Et c'est... À chaque fois que je dis un truc comme ça t'entends plus bien. Je disais, t'es né dans les années... en 1960 à peu près. Et en fait, c'est une vie qui où t'es morte, où t'es morte, t'es un homme à la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ils ont dû mettre trop d'anesthésie, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec est mort. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Allergie à l'anesthésie. Bon, tu sais, en cas de guerre, ils n'ont pas le temps de voir si tu es allergique à l'anesthésie. Hein. Ils te foutent l'anesthésie, puis il y a un pourcentage de perte. Quoi. Ouah, ça pleure. Ouais. Je suis resté connecté là-dedans, moi. Bon, pas grave. Ouf, laisse pleurer. 1, 2, 3. C'est marrant de voir marrant entre guillemets, de voir les liens entre les différentes vies, quoi. Mais regardez Cloud Atlas, c'est vraiment bien expliqué ce film, tu vois. Les vies sont reliées. Et tant que nous ne comprenons pas en tant qu'humanité que toutes nos vies sont reliées, nous comprenons pas grand-chose. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Tu vois. Sébastien, quand il a commencé à s'éveiller, en 2011, 2010, là, no, novembre, il a vu ses vies parallèles où il était moine bouddhiste tibétain, habillé en bordeaux, le crâne rasé. Ses vies à Jamaïque, ses vies au Japon, samouraï, il a vu plein de trucs. Au début, il ne croyait pas. Hein. Pendant 3 ans, il s'est dit, mais c'est n'importe quoi, j'ai rêvé. 3 ans. Et puis bah là, on n'est plus en 2010, tu vois. On est en 2023, donc au bout de 13 ans, il s'est fait à l'idée qu'il a des vies parallèles. Mais c'est vrai, ça fait bizarre au début. Si quelqu'un vous dit, ouais, t'as une vie parallèle, vous dites, ouais, il raconte des conneries. Non, au bout d'un moment, vous allez voir, à force de méditer pendant 10 ans, bah ouais, évidemment. Et puis quand vous réalisez le soi, le non-soi, c'est beaucoup plus facile, vous avez accès à tout. Et puis si ça pleure, ça pleure pas par hasard, hein. Tu vois? Donc si ça pleure en vous, ce que je vous dis, c'est que ça vous touche. Mais si ça vous touche, c'est que c'est vrai. Comment vous voulez être touché par un truc faux? Tu comprends? Et là, vous avez un repère pour savoir si c'est du lard ou du cochon. Voilà. C'est ça aussi, être humain. C'est connecter l'émotionnel et avoir le GPS. Ça me touche pas, ça me parle pas. Alors attention, des fois, il y a le mental qui coupe tout, hein. Mais allez voir les vrais clairvoyants médiums, eux, ils ont de la bouteille, ils ont de l'expérience. Tu vois? Et puis, si vous en voyez plusieurs qui vous disent la même chose, c'est que franchement, il n'y a plus besoin d'avoir de doute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ouais, ça pleure. Ben là, je parle un peu à tout le monde aussi. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, c'était une grosse opération chirurgicale, là, ma chérie. Donc, je te recommande de rester 1 heure allongée. La session se termine parce qu'il faut que je prépare l'émission de 20h. Donc, restez allongé, mettez de la musique, surtout ne parlez à personne, ne pas regarder aucune information, aucun ordinateur, aucun magazine, rien. Que tu restes, tous les guides sont en train de continuer l'opération chirurgicale.
Tu restes comme ça pendant 1 heure ou plus, même à t'endormir, ça sera encore mieux. Parce que c'est quand même un gros truc ce qu'on a fait. Hein, tu vois. C'est une grosse opération de voir tout ça, quoi. C'est un aboutissement de toute une vie, là, cette session. Tu vois. Toute une vie pour arriver là et voir pourquoi je suis ce que je suis, comme je suis, tu vois. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ouh, ça pleure, voilà. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Oh, je te fais des gros bisous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, merci, gratitude. Gratitude d'être passé pour tout ce travail. Voilà. Et puis tu pourras la revoir 21 jours, la session, elle est sur YouTube, à la date d'aujourd'hui. Hein. C'est pas la session privée. Non, maintenant, dès maintenant, là, je vais appuyer sur le bouton, dès maintenant. Et voilà. À voir et puis un jour peut-être écrira ton histoire. Hein? Est-ce que ça vaut la peine d'être écrit pour aider les autres? Bon, t'as le temps, hein? T'as le temps. Mais toute ta vie, ça peut aider beaucoup de gens. Toute ta vie peut aider tous ceux qui ont des maladies et qui ont souffert comme toi beaucoup, tu vois. Parce que toute ton expérience, là, comme les personnes qui l'entendent aujourd'hui, elle peut sauver des dizaines d'années à d'autres qui vont peut-être se dire, ah, mais peut-être que mon problème, c'est parce que moi aussi j'étais anesthésié à la naissance, ou j'ai eu un cordon ombilical autour du cou, j'ai failli mourir, ou je suis tombé au sol, ou j'étais en couveuse, mais tout ça doit être partagé. Parce que c'est de la science, en fait, c'est mathématique, c'est toujours la même chose. Enfin, ça revient sans cesse. Non, mais et donc, comme j'ai plein de clients qui ont vécu des choses assez similaires, ça se transforme en science parce que non seulement c'est reproductible, mais c'est explicable logiquement, quoi. Et puis, je te dis, Léonard Or, ils sont des millions à avoir fait des rebirths. Ce que je vous dis là n'est pas une invention de Sébastien. Ça a été écrit dans les livres de Léonard Or et de Groff et de tous ceux qui font du rebirth. Vraiment, hein? C'est vraiment. Et Sébastien, lui, bah, il est tombé sur ses livres, il les a lus. Puis il a vu surtout que dans ses sessions privées, c'était la même chose que dans les livres. C'est pour ça que je vous dis, c'est génial. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est scientifique. Parce que quand il y a des millions de gens dans le monde qui expérimentent la même chose, c'est pas un illuminé qui a trouvé un truc. Non, c'est des millions de gens qui comprennent les mécanismes inconscients qui se passent au moment de la naissance. Il suffit c'est évident. Par exemple, s'il y a statistiquement, vous allez voir tous ceux qui sont nés dans la même clinique, bah, vous allez en découvrir des choses. Hein. Et si par hasard, tu as rencontré quelqu'un qui est né 2 jours après toi dans cette clinique, c'est pour que vous soyez en contact et que vous commenciez à faire une association. Vraiment. Hein. Tu vois? Il n'y a pas de hasard. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions là. Ça pleure, ça n'arrête pas de pleurer. Bon, je suis resté connecté à tout. Je sais pas, à tout. On va terminer, hein, parce qu'il faut quand même que je me prépare pour faire l'émission qui va durer 2 heures. Là, ça rote même maintenant. C'est un sacré nettoyage, hein. C'est chamanique chez toi. Allez, je te fais un gros bisou. Je t'aime, je t'aime. Merci à la vie. Merci à Sébastien aussi, oui, mais c'est pas Sébastien qui a fait, hein, ces lettres. Merci à toi qui as tout fait. Merci à nous, à tous ceux qui sont là avec nous, parce que nous sommes quand même une vingtaine sur Zoom, une vingtaine sur YouTube, on est une quarantaine, donc ça aide beaucoup, tous celles et ceux qui pleurent et qui participent avec leur conscience. Mes gratitudes, je t'aime. À bientôt. Merci. Bisous. À bientôt. Je t'aime. Bonne soirée. Au revoir. Alors oui, oh là là, il n'y a plus que 40 minutes pour préparer l'émission d'après. Donc, je vous laisse avec la musique sur Zoom, hein, pour quand même pas arrêter brutalement. Et puis à un moment, on passera chant de lettres. Voilà, et sur Zoom, sur YouTube, je vais arrêter l'émission dans 2 minutes. Et vous allez avoir de la musique, par contre, sur Zoom, normalement encore quelques temps, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes. Je vous dis à tout à l'heure pour le champ de lettres. Vous avez les liens pour aller au séminaire gratuit Vivre l'amour
Voilà, que je remets. Hein. Vous pouvez vous inscrire au séminaire, c'est gratuit. Et vous pourrez tout comprendre sur l'amour. Et c'est à partir de semaine prochaine, vendredi, à 20 h. Voilà, vous êtes invités. Je t'aime, je t'aime. À bientôt. Tout à l'heure.